ici, par ici. Tiens. Merci. Bonsoir, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce dernier rendez-vous de la saison, puisque nous allons terminer ce soir nos mardis de l'espace des sciences, que nous reprendrons, je crois, vers le 14 septembre, si je ne me trompe. Voilà, et puis comme c'est le dernier rendez-vous, j'avais envie que Michel Cabaret, qui est le directeur de l'espace des sciences, vienne nous dire un mot et vienne surtout, au nom de toute l'équipe de l'espace des sciences, vous remercier de votre fidélité. Merci Maëtte, hein. Moi tu m'as demandé de dire un petit mot, alors c'est bien volontiers. Moi je voulais vous dire tout d'abord, pour terminer cette saison, on termine en beauté avec Monsieur Dehaene, merci à tous les grands scientifiques français qui viennent nous voir, hein, merci beaucoup à vous, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous touche beaucoup, vous prenez de votre temps, vous vous rendez disponible pour venir nous exposer vos travaux, vos recherches, vos préoccupations, hein, on ne vous remerciera jamais assez, alors je pense qu'on peut applaudir Monsieur Dehaene. Il faut garder encore deux applaudissements. Je pense qu'il faut aussi applaudir et remercier beaucoup Maëtte, parce que toutes ces soirées, toutes ces animations... Merci. C'est un bonheur. C'est un bonheur pour nous, en tant qu'auditeurs, de participer à ces mardis de l'espace des sciences. Et je pense que tu sais très, très bien les animer, les présenter, mettre en valeur les scientifiques. Et Dieu sait si je suis scientifique dans l'âme. Voilà, voilà. Et puis enfin, il faut vous applaudir aussi parce que vous êtes très nombreux et avant de préparer cette soirée avec Julie, qui est peut-être présente dans la salle. Qui travaille avec moi et qui fait un boulot formidable. Voilà. Julie, on peut l'applaudir aussi. Julie Zog. Je pense bien sûr à toute l'équipe aussi des Champs Libres qui est là. Hein. Et puis avec Julie, donc avec toi Maëtte, on a fait un petit calcul parce que je ne sais pas si nous on a la bosse des maths, mais bon, on a une expo sur les maths en ce moment. Et donc on a fait des petits calculs avant de préparer cette soirée. On a reçu 11 700 personnes pour 36 conférences, ce qui fait une moyenne de 325 ou 326 personnes par conférence. Et on est très très est-ce fiers. Est-ce qu'il a bien compté? Je l'ai vu, il a utilisé une calculette. Il me manque une donnée qui est le nombre de conférences par an. 36. Je pense que c'est grâce à vous tout cela aussi, parce que c'est pas mal dans une ville de France comme Rennes d'accueillir chaque semaine plus de 300 personnes. Je peux vous dire que lorsqu'on en parle de ces mardis de l'espace des sciences à Paris ou ailleurs, on nous dit écoutez, vous avez de la chance à Rennes d'avoir un si beau public, alors bravo à vous, merci beaucoup. Et on vous applaudit. Et on vous applaudit. Bon, c'est tout, Maëtte. Alors. C'est tout ce que tu voulais dire. Bon, alors, voilà, va t'asseoir. Merci, merci, Michel. Et nous, on va s'asseoir aussi. Juste quelques minutes pour faire... D'abord, j'ai quelques petites informations à donner, si vous me le permettez, Stanislas. On a encore un rendez-vous, en fait. J'ai dit que c'était le dernier rendez-vous pour les conférences, pour les mardis de l'espace des sciences avant le mois de septembre. On va se reposer un petit peu. Mais on fait aussi, vous savez, une fois par mois, un café des sciences. Et il s'agit là, en plus, d'un café des sciences que nous faisons en partenariat avec la bibliothèque et plus spécialement le club des lecteurs sciences. Et là, on parlera avec le docteur Robert Le Texier jeudi prochain à 18h30 au Café des Champs Libres. Hein, l'entrée vous est offerte et gratuitement aussi. On parlera de l'alimentation. Voilà un sujet d'actualité. Hein. Alors, je pense qu'on parlera certainement du concombre masqué et autres. Voilà. Mais donc, le docteur Robert Le Texier est spécialisé en micronutrition. Il est expert auprès de l'IEDM, c'est l'Institut européen de micronutrition. Et on abordera ce thème, l'offre alimentaire qui ne répond que partiellement aux besoins nutritionnels humains. Nous consommons à la fois trop calories, sucre rapide, graisse saturée. Et trop peu, déficit pour une partie non négligeable de la population en fer, magnésium, sélénium, acide gras, oméga 3, etc. Alors, quelle assiette pour demain? Aliments de filière nutritionnelle, aliments biologiques, alicaments, compléments alimentaires. Voilà, ce sera le sujet. Donc,
Vous pouvez venir nous retrouver. Ça commence à 18h30, ça s'arrête à 20h. Et évidemment, vous êtes là pour poser toutes les questions que vous voulez au spécialiste qui sera présent. Et ce sera donc notre dernier rendez-vous cette fois de la saison. Je voulais juste vous dire aussi, et je vais vous en donner un exemplaire, Stanislas, je n'ai pas pensé tout à l'heure, vous dire aussi que le nouveau numéro de Science Ouest, qui est la revue de l'espace des sciences, c'est un mensuel, vient de paraître. Et sur ce thème, l'énergie, qu'avons-nous en stock? Et il y a plusieurs chapitres qui sont extrêmement intéressants. Comment produire de l'énergie quand on en a besoin, en mixant et en stockant le vent et l'eau et l'hydrogène. Voilà un des sujets traités. Il y en a un autre, une mini-centrale à la maison. Et si votre chaudière produisait l'électricité avec de l'hydrogène, c'est déjà une réalité au Japon et bientôt chez nous, paraît-il. Donc, à découvrir aussi. Et puis, comme d'habitude, bien d'autres informations sur ce qui concerne la recherche ici, dans notre région et dans le Grand Ouest, le magazine Science Ouest, qui est toujours... vraiment passionnant et très intéressant, et dont la rédactrice en chef s'appelle Nathalie Blanc, et elle fait bien sûr partie de notre équipe. Voilà, vous savez qu'il y a l'exposition mathématique. Alors on s'était dit, tiens, ce serait malin si Stanislas Dehaene avait un peu de temps à nous accorder juste au moment où on a cette exposition mathématique qui est... Vous l'avez visité avec moi, Stanislas. Vous pouvez donner votre avis. Elle est vraiment magnifique. Je trouve très, très intéressante. Elle m'a rappelé... Hein. Moi, j'ai grimpé sur toutes les attractions, si je puis dire. Mais je trouve qu'elle rappelle un peu l'esprit de quelques musées parisiens, et notamment du Palais de la Découverte, qui est pour moi toujours un enchantement. Donc, c'est très réussi. Oui, elle est vraiment très, très bien. Je crois qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent la voir. Mais si vous ne l'avez pas vue, profitez-en. C'est encore le moment pendant un certain temps. Alors, Stanislas Dehaene, moi, je trouve que c'est un nom qu'on n'entend pas beaucoup par ici. C'est assez normal, puisque c'est plutôt un nom du Nord. Roubaix, vous êtes originaire de Roubaix. Je suis né à Roubaix, oui. Vous êtes né à Roubaix. Votre famille y vit toujours, d'ailleurs. Vous me disiez tout à l'heure que c'était le nom d'un premier ministre belge. Oui, mais qui n'est pas de la famille. Il y a plusieurs familles. Alors, vous êtes neurobiologiste, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Vous êtes membre de l'Académie des sciences. Et nous avons déjà eu le plaisir de vous rencontrer, puisque j'ai animé une rencontre avec vous qui était organisée par les Champs Libres, sur le thème de votre livre, d'un livre précédent paru en 2007 et qui s'intitule toujours d'ailleurs « Les neurones de la lecture ». C'est un livre vraiment passionnant. Et puis, je crois que depuis, vous avez eu c'est un autre ouvrage qui est paru, je ne sais pas, après, je crois. Hein, « Paroles et musique aux origines du... » »« Paroles et musique », oui, c'est le résultat d'un colloque au Collège de France. Avec chaque année, en début d'année, ça peut intéresser d'ailleurs certains d'entre vous, le Collège de France donne un grand colloque de rentrée qui dure 2 jours. Mais qui est ouvert à tous. Qui est ouvert à tous, comme tous les cours du Collège de France, d'ailleurs. Bien, il n'y a pas besoin de s'inscrire, tout le monde peut venir. Et donc, le colloque de rentrée était co-organisé avec Christine Petit sur ce thème « Paroles et musique ». Voilà, donc on peut trouver ce livre. Hein. Et puis, aujourd'hui, le thème de cette conférence est très en relation avec ce livre, La bosse des maths. La bosse des maths, 15 ans après. Puisque, en fait, si j'ai bien compris, ce livre, vous avez commencé à l'écrire dans les années 90, c'est ça? Oui, c'est ça, entre 94 et 96. Disons, il est paru en 97. Il est paru en 97. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y remettre comme ça? Eh bien, ça a beaucoup changé, les choses. Tout a changé. D'abord, on a travaillé... à l'époque, en 97, il n'y avait pas beaucoup de monde qui travaillait sur ce qu'on appelle la cognition numérique, c'est-à-dire la représentation des nombres, des mathématiques dans le cerveau. C'était vraiment un sujet un peu original que j'avais eu la chance de défricher, si vous voulez, à quelques autres. Mmh. Et en fait, en 15 ans, c'est devenu un immense sujet. Beaucoup de laboratoires s'y sont intéressés, vous allez voir. Donc aujourd'hui, je ne vais vous parler pratiquement que de résultats scientifiques qui datent des 10 dernières années. Et tout le monde va comprendre, même les nuls en maths comme moi.
C'est à peine des mathématiques. On va parler des choses les plus simples des mathématiques. Pourquoi est-ce que 2 plus 2 font 4 et comment on fait pour le savoir? Donc, je pense que ça devrait aller. Ça va encore. Et juste une dernière chose dont vous pouvez peut-être nous dire un mot. On a pas mal parlé de vous ces dernières semaines autour d'un projet européen qui semble être un projet qui n'est pas encore complètement confirmé, mais qui semble être un projet d'une grande, grande envergure. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, ça s'appelle le Human Brain Project. C'est le projet donc cerveau humain, un petit peu comme il y a eu le projet génome humain. On essaye de monter avec toute une série de laboratoires européens. Pour l'instant, il y a 150 chercheurs qui sont impliqués en Europe. Une grande entreprise de simulation du cerveau humain, ce qui implique de compiler l'ensemble des données à toutes les échelles de description du cerveau, et ceci dans l'intervalle de 10 ans. Très bien. Bon, alors, je pense qu'on va écouter la conférence. On reparlera, on reviendra peut-être un petit peu sur ce que vous dites dans ce livre, mais je suppose qu'on va retrouver des choses assez proches. Et puis, je voulais vous dire aussi que cette conférence est enregistrée. Vous avez accepté, Stanislas Dehaene, qu'elle soit enregistrée par l'équipe vidéo du CREA de l'université Rennes 2. Donc, dans quelques temps, vous pourrez la voir ou la revoir. Donc la revoir sur le site de l'Espace des sciences. Et je voudrais dès maintenant remercier toute l'équipe du CREA qui est ici ce soir. Voilà, je pense qu'on va passer une très très bonne soirée. On écoute Stanislas Dehaene. Vous pourrez ensuite lui poser les questions que vous voulez. Et si vous en avez envie, eh bien, vous pourrez même faire dédicacer vos livres tout à l'heure sur le stand de la librairie Le Fayère, le pauvre libraire qui vient de perdre son ordinateur qu'on lui a piqué en l'espace de 10 minutes. C'est une horreur. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous pourrez aller rejoindre Stanislas Dehaene devant le stand de la librairie Le Fayère. Très bonne soirée à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bien, donc bonsoir à tous. Merci infiniment à toute l'équipe de l'Espace des sciences pour cette invitation. Je pense qu'effectivement, vous avez beaucoup de chance à Rennes d'avoir tous les mardis une animation scientifique de cette qualité. Et donc voilà, le titre exact de ma conférence, c'est « La bosse des maths, nouvelle édition, revue et augmentée ». Puisque c'est ainsi que la deuxième édition du livre s'appelle, il s'agit donc de vous décrire tout ce qui a progressé dans notre connaissance de la manière dont le cerveau fait des mathématiques. L'histoire des mathématiques se confond pratiquement avec l'histoire récente de l'humanité. Il faut savoir que l'on trouve déjà des artefacts mathématiques, si on peut dire, au paléolithique supérieur, comme cette plaque gravé, dans lequel on trouve des petites marques qui sont regroupées apparemment de l'ordre de 28 ou 30, des paquets de 28 ou 30, et qui pourraient signifier donc une première trace de comptage. Le comptage, évidemment, on le trouve dans de très nombreuses cultures, à l'origine de la représentation des nombres, puis ensuite l'apparition de la géométrie, très tôt. Hein, la géométrie, c'est la mesure de la Terre, elle était donc indispensable dès qu'il y a eu culture et répartition de l'espace, et notamment de l'espace de la ville. Et puis, apparition d'un livre essentiel, Les éléments d'Euclide, qui introduit le concept de démonstration mathématique. Et on pourrait retracer ainsi l'histoire des mathématiques jusqu'à des mathématiciens très récents, comme Ramanujan, qui, si vous ne le connaissez pas, lisez la biographie de Ramanujan, vous découvrirez un des personnages les plus romantiques de l'histoire des mathématiques, qui, seul, en Inde, avec l'aide de 2 livres, reconstruit pratiquement la totalité d'une partie des mathématiques et découvre des formules mathématiques d'une complexité absolument inouïe. Eh bien, toute cette construction culturelle des mathématiques, je prétends qu'on peut la mettre en rapport avec quelque chose d'extrêmement différent, qui sont les compétences mathématiques de certains animaux. Et je vais essayer de vous montrer qu'il y a une filiation assez naturelle entre les compétences mathématiques de l'espèce humaine et ce qu'on peut trouver dans l'évolution chez d'autres espèces animales. Nous allons voir différents exemples de ces compétences, mais voici un film très ancien. C'est pratiquement une des premières expériences sérieuses qui a été menée sur la cognition numérique chez l'animal. J'espère qu'on va voir convenablement. Vous avez ici une perruche qui regarde
un ensemble de points, son expérience d'autocolleur. Et vous voyez que la perruche se dirige exactement vers l'ensemble qui porte le même nombre de points, il y en a 7, parce qu'elle a été entraînée à savoir que si elle trouve le même nombre, elle trouvera aussi un renforcement sous forme de nourriture qui est cachée ici. En ce sont d'expériences dont on peut discuter à quel point elles sont bien contrôlées. On verra qu'il y en a beaucoup d'autres récemment qui contrôlent parfaitement pour tous les indices non numériques, l'odeur de la nourriture, la densité des points, etc. Autre exemple peut-être également spectaculaire, regardez ce que fait le chimpanzé Ai qui a été entraîné par Tetsuro Matsuzawa au Japon. J'espère que vous allez comprendre ce que fait l'animal. Il y a un ensemble de points à gauche, il y a les chiffres arabes à droite. Et vous voyez la main de l'animal qui étiquette absolument systématiquement la quantité de points qu'il y a à gauche. Je suppose que vous êtes en train d'essayer de vérifier si l'animal fait bien. Ben, ce n'est pas complètement évident. Il va plutôt plus vite que nous. Bon, 2, ça va. 4. Voilà, vous voyez, pratiquement à tous les coups, il parvient à la bonne réponse. Et il a été prouvé en fait que les chimpanzés vont plus vite que les Japonais. Alors le Matsuzawa, on a fait tout un article. Bon, je ne suis pas sûr que la vitesse relative soit tellement importante, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on puisse entraîner un animal à reconnaître le concept de nombre. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, et c'est la thèse principale de ce livre, La bosse des maths, qui en anglais s'appelle The Number Sense, c'est un petit peu plus sérieux. La bosse des maths, c'est évidemment une expression un petit peu humoristique. L'histoire de la bosse des maths, c'est évidemment cette notion qu'il y a une région du crâne, une région du cerveau, mais qui se traduit par une bosse sur le crâne, qui permet de déterminer si quelqu'un est doué en maths ou pas. Moi, j'utilise cette expression dans un sens un petit peu différent pour dire que nous avons tous la bosse des maths, c'est-à-dire que nous disposons d'un sens du nombre et d'autres sens ou intuitions dans le domaine mathématique, et que ce sont comme des piliers qui soutiennent tout l'édifice de la construction mathématique. Donc, dans le détail, au cours de son évolution, la proposition, c'est que notre cerveau a été doté de représentations élémentaires de l'espace, du temps, du nombre, que nous partageons ces représentations avec de nombreuses autres espèces animales, donc c'est un héritage de notre évolution, et que ces représentations sont au fondement de notre intuition mathématique. Nous possédons tous un sens du nombre, une capacité spécifique de représenter le cardinal approximatif d'un ensemble d'objets. Alors attention, c'est uniquement approximatif, mais de combiner ces nombres dans des opérations simples, comme les additions, par exemple. Cette intuition du nombre peut être totalement non consciente, mais on peut montrer qu'elle existe toujours dans le cerveau, qu'elle repose sur une région bien particulière, dans le lobe pariétal. Vous allez voir qu'une des découvertes très récentes, c'est l'existence de neurones des nombres, qui sont des cellules qui codent individuellement pour certains nombres. Et ce que je prétends, c'est que notre capacité de construire des mathématiques, et en particulier de construire des systèmes de symboles numériques, s'appuie sur cette représentation préexistante des quantités numériques. Nous apprenons donc à connecter des symboles aux quantités correspondantes. Alors, comme vous le voyez, je ne vais pas parler des mathématiques de très haut niveau, nous ne parlerons que du concept de nombre. Alors, certains mathématiciens, lorsqu'ils entendent cette conférence, me disent que je n'ai jamais parlé des mathématiques. Je pense que ça n'est pas juste. Je pense qu'on a oublié que dans l'histoire des mathématiques, arriver au concept de nombre et construire un concept de nombre, c'était déjà en soi une réussite absolument phénoménale de l'esprit humain. Et à chaque étape, on a tendance à oublier la complexité de ce qui a été réalisé dans les étapes précédentes. Mais la construction des mathématiques est une vraie pyramide qui s'appuie in fine sur ces intuitions que nous héritons de notre évolution. Alors, première conclusion que je vais essayer de tirer ce soir, il existe des régions cérébrales associées à l'intuition des nombres. Vous savez peut-être que mon laboratoire, qui est situé dans le centre Neurospin, dans le sud de Paris, s'appuie très largement sur des outils d'imagerie cérébrale qui nous permettent aujourd'hui de voir le cerveau en activité. Alors nous avons évidemment appliqué ces outils d'imagerie à la question de la représentation des nombres dans le cerveau. En fait, on a été plus ou moins parmi les premiers à aborder cette question. Et pour étudier cette question, il faut évidemment placer le cerveau humain dans un état où il est en train de faire des mathématiques élémentaires, de traiter les nombres. Et l'une des tâches qui est assez intéressante à étudier, c'est cette tâche de comparaison de nombres. C'est extrêmement simple. Vous êtes assis devant un ordinateur ou allongé dans la machine d'IRM devant un écran d'ordinateur et vous voyez successivement des nombres apparaître sur l'écran, 52, 84, 31, et pour chacun d'eux, vous devez décider s'il est plus grand ou plus petit que 65.
Alors c'est typiquement l'exemple même d'opération non consciente. Vous n'avez aucune idée comment vous faites, mais vous savez que 31 est plus petit que 65 et 99 est plus grand. Vous avez l'impression que ça prend un temps constant, mais regardez le temps de réponse des personnes, c'est le temps moyen ici en fonction du nombre qui est présenté. Et également les erreurs. On a l'impression qu'on connaît la bonne réponse. Mais si vous cliquez sur des boutons, de temps en temps, vous faites des erreurs. Eh bien, vous voyez qu'à la fois le temps de réponse et le taux d'erreur dépendent de façon absolument systématique de la distance entre les nombres. Vous voyez que vous avez 65 ici au milieu. Plus les nombres sont proches de 65, plus vous ralentissez. Donc, ce n'est pas du tout un temps constant. C'est même un très gros ralentissement, à plusieurs centaines de millisecondes, donc plusieurs dizaines de secondes, plusieurs dixièmes de secondes. Eh bien, si vous regardez attentivement cette courbe, vous voyez qu'on compare des nombres un petit peu comme on comparerait des quantités, des poids, par exemple. Plus c'est proche, plus c'est difficile. Et ce n'est pas du tout les symboles qui sont mis en jeu, parce que si c'était les symboles, il y aurait une discontinuité aux alentours de 60, ici, de 70, voyez, là où le premier chiffre est commun. Mais ce n'est pas le premier chiffre qui détermine le comportement. Ce qui détermine le comportement, c'est la distance entre les quantités. Tout se passe comme si la personne prenait le symbole du nombre en entrée et convertissait ce symbole en une quantité interne qui est comparée. Alors nous avons étudié ce processus de conversion mentale vers une quantité et nous avons trouvé qu'il existe des régions du cerveau bien particulières qui sont impliquées dans cette tâche de comparaison des quantités numériques. Vous voyez qu'ici, dans ces régions, donc vous avez une coupe du cerveau ici, c'est l'avant de la tête, l'arrière de la tête. Ici, on passe au niveau des aires pariétales, qui sont en arrière de la tête, bilatérales, dans les deux hémisphères, hémisphère gauche et hémisphère droit. Et vous voyez que tous les points en couleur indiquent des régions dont l'activation est directement proportionnelle à la difficulté de cette opération de comparaison de deux nombres. Plus l'activation est élevée, plus les nombres à comparer sont difficiles. Plus la comparaison est difficile. Vous voyez que le temps de réponse est en orange ici, l'activation est en barre bleue, et que les deux sont très étroitement corrélés. Vous voyez, lorsqu'on fait une opération mathématique difficile, on active plus cette région particulière du cerveau. Et nous avons observé que cette région du cerveau, dans le sillon intrapariétal, dans les deux hémisphères, était absolument systématiquement activée dès que nous devions réaliser une tâche quelconque qui a à voir avec les nombres. Dès que vous pensez à un nombre, essentiellement, cette région travaille et on peut la trouver chez n'importe lequel d'entre vous, à peu près au même endroit. Et donc, en particulier, si l'on fait des calculs, des soustractions, des multiplications, des comparaisons, même si l'on pense tout simplement à mémoriser un chiffre, comme on va le voir tout à l'heure, l'activation va être proportionnelle à la difficulté de l'opération mentale que vous exécutez. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette activation va survenir quel que soit le format d'entrée des nombres. Donc on parle d'une région qui est multimodale. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez présenter les nombres sous une forme écrite, des chiffres arabes, des mots écrits, sous une forme parlée, des mots parlés, sous une forme non symbolique, par exemple un ensemble d'objets que vous énumérez. Eh bien, dans tous les cas, si vous arrivez à un certain nombre, vous allez activer cette région de votre cerveau. Donc on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une région qui est associée à un élément assez important, assez abstrait également, de représentation, qui est la représentation de la quantité numérique. Dans ce sens-là, peut-être peut-on parler de bosses des maths, évidemment, il n'y a pas de variation dans la taille, ni dans, même dans les bosses du crâne liées à cette région, mais elle existe chez tous les individus. Alors, deuxième conclusion, l'activation de cette région et l'intuition des nombres qu'elle nous confère peut être totalement non consciente. On est capable aujourd'hui en laboratoire, en psychologie, de créer des paradigmes dans lesquels il y a une invisibilité totale des chiffres ou des mots qui sont présentés à la personne, et néanmoins on peut prouver, par exemple par imagerie cérébrale, que la personne a traité, son cerveau a traité l'information, et donc il y a un traitement subliminal de l'information. Voilà une expérience, je vais juste vous en présenter une que nous avons faite, et sur un écran d'ordinateur apparaissent successivement, au même point sur l'écran, des stimuli très brefs de ce type. Vous voyez, une chaîne de lettres, le mot neuf, une autre chaîne de lettres. Si le mot neuf est suffisamment bref, eh bien vous ne le voyez pas du tout. Il est totalement invisible, vous avez l'impression d'avoir juste vu des chaînes de lettres aléatoires sans signification. Vous ne savez pas que le mot neuf a été présenté. À ce moment-là, on vous représente, par exemple, dans cet essai, le chiffre 9. La question, c'est est-ce que votre cerveau va avoir un petit peu accéléré, voire traité l'information un petit peu plus vite, parce que, d'une manière non consciente, vous avez déjà reçu la même information. Donc on va demander à la personne de décider, une fois de plus, si ce chiffre est plus grand ou plus petit que 5, le dernier. Alors évidemment, il ne voit que le dernier.
Mais on va voir si elle a été accélérée, si le traitement de l'information a été facilité par la présentation de la même information de façon non consciente. Et pour le savoir, on va comparer, par exemple, avec un autre essai dans lequel c'est le mot 6 qui est présenté non consciemment. Alors, si la personne doit comparer avec 5, tous les deux sont plus grands que 5, mais il y en a un qui est la même quantité, il y en a un autre qui est une autre quantité. Du point de vue du sujet, c'est exactement la même chose, puisqu'il ne voit que le dernier chiffre. Il ne voit pas l'information subliminale. Eh bien, première découverte, il y a effectivement une accélération du temps de réponse. Nous allons plus vite lorsque nous avons pu traiter l'information de façon subliminale, même si nous n'avons absolument rien vu. Deuxième observation, la région intrapariétale montre un effet d'amorçage non conscient. En fait, elle montre un petit peu moins d'activité lorsqu'elle doit traiter deux fois la même quantité que lorsqu'elle doit traiter deux quantités différentes. Et ici, c'est en fonction du temps. C'est un petit peu lent parce qu'on ne mesure pas directement l'activité neuronale, mais ce qu'on appelle l'activité hémodynamique, c'est-à-dire le débit sanguin dans le cerveau, essentiellement. Mais vous voyez qu'il y a plus d'activité lorsque cette région traite deux nombres différents que lorsqu'elle traite deux fois le même nombre, même si c'est non conscient. Et les deux courbes correspondent à des notations identiques ou différentes. Notation différente, c'est l'exemple que je vous donnais auparavant, le mot 6 suivi du chiffre 6, ou le mot 9 suivi du chiffre 9. Et que cette région ne s'intéresse absolument pas à la forme des nombres, mais elle s'intéresse au fait que deux fois de suite, la même quantité a été présentée. Et donc il faut imaginer, et c'est le résultat de nombreuses expériences, que dès que notre cerveau, consciemment ou non, s'intéresse à un nombre, cette région s'active et confère une dimension de quantité, le sens de la quantité, au symbole qui nous a été présenté. Troisième conclusion que je voudrais tirer, je vais m'attarder un petit peu là-dessus, l'intuition des nombres est présente chez l'animal. Oui, d'une certaine manière, ces caricatures qui sont bien connues, qui datent du temps de Darwin, ne sont pas si ridicules que ça. Nous sommes des primates comme les autres et nous héritons de millions d'années d'évolution un sens du nombre qui en fait existe dans de très nombreuses espèces. Alors chez le singe, bien sûr. Chez le singe, et y compris chez le singe non entraîné. Au départ, je vous ai donné des exemples de singes évidemment extrêmement entraînés, comme le chimpanzé Haï. Eh bien ici, vous avez un singe non entraîné dans la nature. C'est une expérience qui est menée sur une île à Puerto Rico, qui s'appelle Cayo, que j'ai eu la chance de visiter. Et on trouve un singe dans la nature, et en un essai, on va lui présenter deux pochettes ici, dans lesquelles on va cacher des morceaux de nourriture. Et par exemple, on va cacher trois morceaux de nourriture ici, et dans celui-ci, on va cacher deux morceaux de nourriture et pour qu'il y ait la même quantité d'action, un troisième objet qui peut être par exemple un rocher, voyez, un morceau de roche. Eh bien, donc l'animal a intérêt à choisir là où il y a le plus de nourriture. C'est un comportement spontané, tout à fait naturel. Et l'animal s'approche et il va se diriger spontanément vers l'endroit où il y a le plus de nourriture. Pour le faire, il a besoin de maximiser la quantité, mais pour maximiser la quantité, il se fonde sur le nombre. C'est le nombre qui est utilisé comme indice dans ce type de situation. On dispose maintenant de très nombreuses données qui suggèrent que les animaux, dans certaines limites, et notamment pour les petits nombres, sont tout à fait habiles à manipuler les quantités mentalement et à choisir la plus grande. C'est un comportement qui est tout à fait spontané, qui existe dans au moins deux contextes. Le premier, je vous l'ai présenté, c'est le choix de la plus grande quantité de nourriture. Évidemment, on conçoit que c'est indispensable à la survie. Un animal qui ne serait pas capable de choisir le plus grand nombre de noisettes ou de morceaux de pommes ou je ne sais pas quoi, aurait évidemment un désavantage dans l'évolution. Le deuxième contexte, c'est le contexte social. Et ça, c'est un contexte extrêmement important pour de nombreuses espèces, bien au-delà de l'espèce humaine. Par exemple, ici, des lionnes qui sont en train de chasser ont intérêt à savoir si leur groupe est plus nombreux que celui de l'adversaire. Mais l'expérience a été faite d'une manière absolument élégante. Vous placez un haut-parleur dans la savane. Vous attendez que des lionnes partent chasser en groupe, ici trois par exemple, pendant la nuit. Et lorsqu'elles s'approchent de l'endroit où est placé le haut-parleur, vous jouez une bande magnétique avec le rugissement d'un certain nombre d'autres lionnes. Voilà. Et le nombre de rugissements, enfin le nombre plutôt de lionnes qui sont en train de rugir, le nombre d'individus, peut être égal à 1, à 2, à 3 ou à 4 suivant les moments. Et vous regardez si les lionnes continuent de chasser ou quittent le territoire. Eh bien, le résultat, c'est que les lionnes font une comparaison mentale du nombre qui est dans leur groupe avec le nombre qui est dans le groupe opposé,
qui en l'occurrence est virtuel, puisque c'est juste du son. Hein. Mais les lionnes, visiblement, croient qu'il y a d'autres lionnes en train de chasser, et elles vont décider de rester sur le territoire ou de le quitter en fonction d'une comparaison qui est une comparaison numérique. Donc c'est assez étonnant de penser que même des espèces assez éloignées de la nôtre ont un comportement numérique. Bon, je voulais vous présenter une expérience qui est absolument extraordinaire, je trouve, parce que peut-être vous pensez, comme d'ailleurs de nombreux chercheurs, que ce type de comportement va quand même être présent uniquement chez les mammifères. Bon, allez, peut-être chez les reptiles. Bon, il y a une expérience chez la salamandre. Bon. La salamandre compare le nombre de mouches dans deux bocaux. Bon. Mais même les fourmis sont capables de compter. Alors l'expérience est absolument extraordinaire. Elle est parue dans Science il y a quelques années, maintenant il y a 5 ans. Elle consiste à mettre les fourmis sur des échasses. Donc on voit là, les fourmis, vous voyez, on leur a collé des petits morceaux de poils de cochon, en l'occurrence, pour rallonger un petit peu leurs jambes. Et puis dans une autre expérience un petit peu plus invasive, on a coupé les jambes des fourmis pour qu'elles soient plus courtes. Bon. C'est pas très sympa. Mais quel est le but de l'expérience ? Eh bien, on sait que les fourmis naviguent dans l'espace. Je ne vais pas parler ce soir du sens de l'espace, mais c'est un sens qui est peut-être encore plus développé que le sens du nombre. Et les fourmis qui habitent dans le désert ont un sens de l'espace extrêmement raffiné. Et lorsqu'elles quittent leur nid, elles partent naviguer dans le désert pour essayer de trouver de la nourriture. Elles vont avoir un comportement semi-aléatoire, une espèce de mouvement brownien comme ça. Vous pouvez le voir d'ailleurs, même dans les fourmis du sud de la France. Hein. Et puis, lorsqu'elles trouvent un morceau de nourriture, elles reviennent droit au nid. Alors ça, c'est phénoménal, parce que ça sous-entend qu'elles savent où est le nid. Et l'expérience a été faite, est-ce que c'est l'odeur ? Non, on transplante la fourmi dans un nouvel endroit, elle va tracer exactement le même vecteur dans l'espace que si elle devait rentrer dans son nid. Et évidemment, comme il n'y a pas de nid, elle s'arrête à peu près à cet endroit-là, et elle commence à faire un mouvement brownien autour de l'endroit présumé du nid. Donc vous voyez, elle a une représentation mentale, et j'utilise ce terme à dessein, hein. La fourmi a une représentation mentale de sa trajectoire dans l'espace. Et elle sait à chaque moment où elle est dans la carte du désert, et elle sait comment revenir à son nid. Maintenant, je reviens à l'expérience des échasses. L'expérience des échasses montre que ce n'est pas l'espace en tant que continuum qui est utilisé par la fourmi, c'est le nombre de pas. Parce que si vous raccourcissez les jambes de la fourmi, elle revient à un endroit plus près du point de départ, donc elle fait une trajectoire plus courte. Et si vous rallongez ses jambes, la fourmi fait une trajectoire plus longue. Donc c'est le nombre de pas qui est l'indice qui est utilisé par la fourmi pour décider où se trouve son nid. Évidemment, au bout de quelques semaines, la fourmi s'adapte à la longueur de ses nouvelles jambes, mais pendant un certain temps, elle est troublée et ça montre que c'est bien le nombre de pas et pas l'espace absolu qui compte dans ce type de comportement. Vous voyez que le nombre est un paramètre finalement extrêmement important de l'espace extérieur, un paramètre souvent plus facile à mesurer que l'espace, par exemple. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour mesurer l'espace ? Nous appliquons une règle avec une certaine unité de mesure et nous utilisons le nombre pour mesurer l'espace. Bon, mais les fourmis ne font pas autre chose. Ouais, donc, différents exemples qui nous montrent que le comportement numérique n'est pas du tout exceptionnel, qu'il est en fait extrêmement répandu dans la nature et nous en héritons. Alors, donc je vous remontre cette région pariétale ici qui est impliquée dans les calculs numériques, juste pour vous montrer que chez l'homme, c'est le cerveau humain ici, elle s'insère dans toute une série de comportements et de fonctions dans le lobe pariétal qui ont à voir avec des comportements dans l'espace. Par exemple, le fait de bouger les yeux vers une certaine cible, le fait de déplacer son attention ou de réaliser d'autres tâches visio-spatiales, le fait de déplacer sa main vers une cible ou le fait d'ajuster sa main à la taille de l'objet qu'on va chercher à attraper. Vous voyez ? Et un répertoire des gestes possibles vis-à-vis des objets du monde extérieur. Et au milieu de tout ça, il y a cette activation liée au nombre. Alors, une des raisons pour laquelle on avait fait cette carte chez l'homme avec l'IRM, c'était de pouvoir comparer avec le cerveau du singe. Et chez le singe, on savait, à l'époque où on a fait ces expériences, il y a déjà une dizaine d'années, hein, on savait qu'il y avait un petit peu le même arrangement. Vous voyez, on était très contents de retrouver chez l'homme pratiquement le même arrangement que chez le singe. C'est-à-dire qu'à l'arrière du lobe pariétal du singe, il y a des neurones qui répondent lorsque le singe fait des saccades oculaires, bouge les yeux. Il y a des neurones qui répondent lorsque l'animal déplace son attention. Il y a d'autres neurones qui répondent lorsque l'animal bouge la main et lorsqu'il ajuste sa main à la taille des objets qu'il va attraper. Et tout ça forme une carte qui est un petit peu similaire à celle de l'homme, ce qui nous suggérait qu'il y avait une homologie possible et qu'il y avait en fait essentiellement deux possibilités à ce stade, quand on a eu cette expérience. Première possibilité,
Les régions qui sont ici, alors il y en a une qui s'intéresse au nom, puis il y en a une autre qui s'intéresse un peu au langage ici, sont peut-être des régions complètement nouvelles dans l'évolution. Peut-être que cette région a augmenté de taille chez l'homme. Bon. Deuxième possibilité qui est peut-être plus intéressante, et c'est vrai que cette région a augmenté de taille, mais peut-être qu'elle a quand même un précurseur. Voyez. Il existe une région qu'on appelle VIP ici, alors c'est pas Very Important Person, mais peut-être Very Important Place. En fait, c'est ventral intrapariétal, les régions, là, intrapariétal, la région intrapariétale ventrale. C'est une région qui se situe géométriquement à peu près au même endroit que la région où, chez l'homme, on trouve des activations liées au nombre. Question extrêmement simple, est-ce qu'il n'existerait pas chez le singe, dans cette région, des précurseurs de l'arithmétique élémentaire que l'on trouve chez l'homme ? On a eu ces résultats, ces images que je vous montre là, ont pratiquement 10 ans maintenant, hein, et j'ai passé plus de 10 ans, parce qu'on avait déjà ces idées, à essayer de convaincre nos collègues qu'il fallait enregistrer aux alentours de cette région les neurones chez le singe, essayer de voir si par hasard il n'y avait pas des réponses liées au nombre. Ça a été très difficile de convaincre les collègues, parce que c'est une expérience un petit peu osée, hein, de penser qu'il y a des neurones qui répondent au nombre. Mais ils l'ont fait. Et des collègues à MIT, en particulier Andreas Nieder et Earl Miller, ont eu cette audace. Et ils ont trouvé des neurones qui répondent au nombre précisément dans cette région, VIP, et également dans le cortex frontal, ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par neurones qui répondent au nombre ? Eh bien, la tâche était la suivante. L'animal voyait un ensemble de points, donc ce n'est pas des symboles, hein, cette fois-ci, c'est des ensembles d'objets. Et il doit retenir combien il y en a, par exemple 4 ici. Il y a un délai pendant lequel il n'y a rien sur l'écran, et ensuite il reçoit un deuxième ensemble d'objets, il doit dire si c'est le même nombre ou pas. Donc c'est tout ce qu'il doit faire, pareil ou pas pareil, même nombre, nombre différent. Cette tâche, évidemment, implique d'extraire le nombre du premier ensemble et de le retenir mentalement, et les chercheurs ont enregistré durant la phase de présentation de ce premier nombre et durant la phase de délai. Et là, ils ont trouvé des neurones qui ont cette particularité de décharger, vous savez que les neurones déchargent des potentiels d'action, eh bien le taux de décharge des potentiels d'action dépendait du nombre qui était présenté. C'est ce que vous voyez sur ces courbes, par exemple, premier neurone ici, il a un taux de décharge maximal lorsque un objet est présent, beaucoup moins lorsqu'il y en a deux, presque plus lorsqu'il y a trois, quatre ou cinq. Et un autre neurone ici préfère voir deux objets. Un troisième neurone préfère voir trois objets. Évidemment, pour chacune de ces courbes, il y a des milliers de neurones, probablement. Ce n'est pas un nombre, un neurone. C'est un nombre des dizaines ou des centaines de milliers de neurones qui forment un codage par population, c'est comme ça qu'on l'appelle en neurosciences, qui est une représentation neuronale de la quantité numérique qui est mémorisée par l'animal. Alors, vous voyez qu'on peut modéliser ces réponses, et le modèle est extrêmement simple. Les neurones ont une courbe de réponse gaussienne, une courbe en cloche, à condition que l'axe sur lequel on affiche le nombre ici soit un axe logarithmique. Alors peut-être vous vous souviendrez de ce que c'est qu'un axe logarithmique, ça veut dire tout simplement que quand on double le nombre, eh bien on avance d'une distance constante sur cet axe ici. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la précision est constante sur une échelle logarithmique, ça veut dire en fait que plus on va vers les grands nombres, plus l'approximation est grande. Vous voyez ? Vous avez ici une représentation assez précise de un objet. Ici, vous avez par contre un neurone qui répond à 5, mais aussi à 4 et à 3 objets. Voyez. Donc en fait, cette échelle logarithmique signifie que les animaux ne sont pas capables de représenter précisément la quantité exacte, mais représentent la quantité avec un certain pourcentage d'approximation, de l'ordre d'une trentaine, 20 ou 30% d'approximation. Donc c'est tout de même remarquable d'avoir ici à découvrir cette représentation neuronale des nombres et de penser qu'à chaque fois qu'on pense à un nombre, eh bien peut-être que nous activons une certaine population de neurones qui préfèrent décharger lorsque ce nombre est présent, lorsque nous pensons à ce nombre. Et l'analogie entre l'homme et le singe est assez remarquable. Alors évidemment, vous avez compris que les cerveaux ne sont pas de la même taille. Au départ, on les a ajustés ici en taille. On a grossi le cerveau du singe. Une fois qu'on grossit le cerveau, il faut aussi le déplisser. Vous voyez que normalement, le cerveau de l'homme est extrêmement plissé. Donc ici, il a été gonflé sur ordinateur, si je puis dire. Mais vous voyez qu'une fois qu'on fait cette opération-là, eh bien, à l'intérieur du sillon intrapariétal, l'homologie est assez frappante. C'est vraiment plus ou moins dans la même région que l'on trouve ces neurones des nombres. Peut-on prouver de façon plus directe que ces neurones des nombres existent chez l'homme? Alors, ça a été le challenge que j'ai donné à l'une des membres du laboratoire, Evelyn Egger,
peut-on, avec l'IRM, voir qu'il y a des neurones des nombres chez l'homme ? Évidemment, avec l'IRM, on ne voit pas des neurones uniques. Vous savez qu'avec l'IRM, on fait ce qu'on appelle des voxels, c'est-à-dire des volumes. On regarde l'activité dans des volumes de cerveau, et ces volumes, typiquement, comprennent peut-être 1 million de neurones. Mais on s'est dit, quand même, et c'est une technique qui est en train d'apparaître de façon très générale en imagerie cérébrale, s'il y a une distribution de ces neurones, même éventuellement aléatoire, dans l'espace du cortex pariétal, il doit y avoir des endroits où il y a beaucoup de neurones qui répondent à un certain nombre, par exemple 4, d'autres endroits où il y en a moins. Peut-être qu'on peut voir une sorte de paysage d'activation avec l'IRM, si on fait des images de haute résolution, qui va nous dire quel est le nombre que la personne a en tête. Ce sont des expériences que les gens disent c'est la lecture dans le cerveau. Bon, c'est un petit peu exagéré. Tout ce qu'on veut dire, c'est qu'on arrive à mettre en corrélation l'activité mesurée dans le cerveau de l'homme avec un certain état mental, en l'occurrence penser à un certain nombre. Donc l'expérience a été faite, on a fait en fait exactement la même expérience que chez le singe, c'est-à-dire mémoriser un certain nombre de points, 4, 8, 16 ou 32, on prend des images d'activité cérébrale à ce moment-là, et on montre que bon, s'il y a deux nombres, mettons qu'on cherche à faire la différence entre 4 et 8, le niveau du hasard serait 50%, eh bien, en utilisant le patron d'activation de ces voxels dans la région pariétale, on arrive à 70% de réussite dans le décodage, essai par essai, du nombre auquel pense la personne. Donc il existe bien une relation directe entre le nombre auquel on pense et l'activation de cette région. On arrive à le décoder. Ça nous intéresse juste de savoir qu'on fait mieux que le hasard. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas passer sous un portique d'aéroport et on arrivera à déterminer votre numéro de carte bleue. Non, on n'en est pas là du tout. Mais le simple fait qu'on arrive à faire mieux que le hasard est en soi une démonstration scientifique qu'on a trouvé un code neural, si vous voulez. Et ce code neural devient extrêmement intéressant lorsqu'on fait des expériences de ce type, c'est l'expérience 2, où vous présentez un premier nombre et un autre qui peut être en chiffre arabe, vous voyez, ou l'inverse. Donc cette fois-ci, on peut poser la question, si je crée un décodeur dans mon ordinateur qui arrive à décoder les nombres sous forme de nuages de points, est-ce que ce décodeur généralise à des nombres présentés sous forme de chiffres arabes, et vice-versa ? Eh bien, la réponse est oui, partiellement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en particulier, lorsque j'entraîne ici mon décodeur à décoder les chiffres arabes, eh bien, le décodeur généralise, mieux que le hasard, à des nuages de points qui ont le même nombre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le cerveau de l'homme, il y a des neurones qui ont le même code pour un chiffre arabe, 4, et pour le nombre correspondant de points, 4 points. Ça signifie bien qu'on a trouvé un code abstrait dans le cerveau pour cet objet mental, en quelque sorte, ce concept. Ces neurones, pour l'instant, personne ne les a vus. C'est une inférence qui est encore un petit peu indirecte, mais l'existence de ce type de résultat de décodage suggère que ces neurones doivent exister. Alors justement, cette capacité d'attacher des symboles à des quantités, c'est quelque chose de très particulier, évidemment, à l'espèce humaine. Donc, nous ressemblons, évidemment, à nos cousins les primates, mais nous sommes des primates particuliers. Nous avons des symboles écrits, et une partie de ce que je défends, la thèse que je défends, c'est que l'espèce humaine, en fait, par le biais des symboles et du langage, parvient à dépasser la représentation des nombres que nous avons hérités de notre évolution, et parvient à créer des concepts de nombres exacts. En fait, si vous regardez les compétences chez l'animal, vous ne trouverez aucun animal qui est capable de faire la différence entre 12 et 13, par exemple. Vous trouverez, bien sûr, des expériences où les animaux font la différence entre 10 et 20, ou 15 et 30, parce que c'est très largement au-delà de leur approximation. Mais ils ne vont pas réussir à faire une différence aussi fine que 12 et 13. Pour arriver à faire ce type de distinction, qui est évidemment fondamentale pour faire des mathématiques, eh bien, il faut avoir un système de comptage précis, exact, qui, chez nous, est très largement fondé sur le langage et sur le comptage. Alors, pour prouver que c'est bien un développement culturel dans l'espèce humaine, nous avons eu la chance de mener toute une série d'expériences, avec notre collègue Pierre Picard en particulier, qui est linguiste au CNRS, chez des Indiens d'Amazonie qui ont une culture qui n'a pas encore développé beaucoup d'outils mathématiques. Et en particulier, ils n'ont pas le comptage et ils ont un lexique pour les nombres qui est extrêmement limité. En Munduruku, qui est la langue de ces personnes en Amazonie brésilienne, eh bien, on peut dire 1 en disant Pangma, Shep Shep c'est 2, Eba Pang 3, Eba Dip Dip c'est 4,
Et Pang Pang Bi, c'est 5. Mais en fait, ça veut dire une main, une poignée, et ça veut sans doute dire à peu près 5, ou une cinquaine, si vous voulez, quelque chose comme ça. Un petit peu comme on dit une douzaine, vous voyez. Après, au-delà, ils peuvent effectivement dire deux mains, et puis ils ont quelques et beaucoup. Voilà. Si vous regardez les courbes ici, qui signifient quand est-ce qu'ils utilisent ces mots, vous voyez que, par exemple, lorsque vous présentez quatre objets, eh bien, effectivement, 70% du temps, ils vont dire 4. Mais il leur arrive aussi de dire 3, ou de dire 5, ou même de dire 6 ou 7. C'est très approximatif. Ces nombres ne sont jamais utilisés pour réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils ne sont pas utilisés pour compter. Ils sont utilisés un petit peu comme des étiquettes, des adjectifs qui décrivent une certaine quantité, une certaine nombrosité, si vous voulez. Un petit peu comme on dit une douzaine, ou en anglais on peut dire « couple ». Vous voyez, « couple », ça veut dire deux, mais on ne sait pas exactement deux en réalité. Eh bien, c'est un peu la même chose ici. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça fait dans l'espèce humaine d'avoir aussi peu de noms de nombres, d'avoir des noms de nombres qui s'arrêtent aux alentours de 5? Qu'est-ce que ça fait d'avoir des nombres approximatifs? Est-ce que ça empêche ces gens d'avoir des concepts mathématiques? Non, la théorie que je défends, c'est qu'ils devraient avoir des concepts mathématiques, mais des concepts mathématiques approximatifs. Ils devraient avoir une intuition du nombre, une intuition de l'addition, de l'approximation, mais pas de concept de nombre exact. Alors voyez ce que font ces personnes. Là, vous êtes dans la situation du Munduruku, à qui on amène un PowerPoint, c'est exactement ce qu'on a fait, un ordinateur avec des batteries solaires en Amazonie, et voilà ce que vous voyez dans un essai de l'expérience. Faites bien attention. Alors, est-ce qu'il y a plus de nombres dans la boîte ou en dehors de la boîte? Bon. C'était pour vous montrer que ce n'est pas si facile. On fait varier la difficulté en faisant varier la distance, comme je vous l'ai expliqué au départ. Eh bien, exactement comme nous, les Indiens Munduruku font de mieux en mieux à mesure que la distance entre les deux nombres est grande. Et essentiellement, leurs performances sont pratiquement indistinguables des nôtres. Vous voyez, dès que la distance devient grande, ils arrivent à réaliser cette tâche du premier coup. Je vous rappelle que ce sont des nombres qu'ils ne savent pas nommer. Tout ça, c'est beaucoup. Mais pourtant, ce n'est pas le même beaucoup, visiblement. Et ils ont compris spontanément ce que c'était que l'addition, ce que c'était que la comparaison qu'on leur demande de faire ici. Ils font un petit peu moins bien que nous, et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la précision de notre système de quantité a été modifié par l'éducation et par les symboles. Nous savons maintenant, mais c'est juste un petit peu moins bien que nous. Maintenant, regardez une autre tâche. Alors là, il faut regarder très attentivement. Voilà. Alors, combien en reste-t-il dans la boîte? Bravo. Vous n'êtes pas des Munduruku. Et puis vous faites bien attention. Bon, vous avez calculé le nombre exact, parce que si vous aviez eu la moindre incertitude sur l'un des deux nombres, vous ne pourriez pas savoir. Alors ce qu'on leur demandait ici, c'est est-ce qu'il reste 0, 1 ou 2? On leur a demandé soit verbalement, alors ils peuvent dire 0, ils n'ont pas de mot pour 0, mais ils peuvent dire il n'y a plus rien dans la boîte ou quelque chose comme ça. Et puis on leur a demandé non verbalement, en pointant vers 3 images possibles. Eh bien, dans tous les cas, ils échouent dans cette tâche. Ils n'échouent pas complètement, vous voyez que ça dépend du premier nombre. Si le premier nombre est petit, genre 1 ou 2 ou 3, ils font aussi bien que nous. Et nos performances sont là-haut. Mais lorsque le nombre devient grand, c'est là qu'il faut commencer à être précis, vous voyez que leurs performances s'écroulent très rapidement. Elles ne descendent pas au niveau du hasard. Et en fait, la courbe verte, c'est exactement ce que l'on prédirait sur la base de l'approximation. Vous pouvez approximer dans cette tâche, vous pouvez savoir que ça fait à peu près 1. À ce moment-là, vous allez réussir à peu près à 40%, 30%. Vous voyez. Eh bien, c'est exactement ce que font les Indiens. Ils n'ont pas cette capacité d'étiqueter le nombre exact. On pense qu'ils comprennent ce que c'est qu'un nombre exact. Parce que si on leur montre un ensemble, même très grand, et qu'on leur dit « j'ajoute un objet », ils savent que ce n'est pas le même nombre. Voyez. Mais ils ne savent pas dire quel est le nombre en question. Et comme ils ne savent pas le dire, ils ne savent pas le déterminer, ils ne savent pas vérifier si le nombre a changé ou pas. Alors, autre tâche qui est extrêmement intéressante, les nombres et l'espace. Est-ce qu'ils comprennent qu'il y a un lien entre les nombres et l'espace qui fait qu'on peut ordonner les nombres dans l'espace? Et voilà une tâche extrêmement simple qu'on peut utiliser. On leur montre une ligne, on leur dit « regardez, il y a un là ». Alors on ne leur dit pas exactement ça, on leur dit « regardez, cet ensemble-là va ici voilà. ». Si vous voyez cet ensemble-là, ça va là. Maintenant, si vous voyez cet ensemble-ci, il va ici. Maintenant, tous les autres, vous pouvez les mettre où vous voulez, là, entre les deux. Et on leur montre qu'il y a un curseur, et quand on va cliquer, alors ce n'est pas eux qui cliquent, ils nous indiquent, et puis nous, on clique. Voilà.
Eh bien, on va leur présenter tous les nombres possibles entre 1 et 10, soit sous forme d'ensemble d'objets, soit sous forme de sons, soit avec des mots, soit avec des mots en portugais, qu'ils ne connaissent pas nécessairement, mais certains sont bilingues. Eh bien, le résultat qui est remarquable, c'est qu'ils arrivent à situer les nombres dans l'espace, ils savent spontanément que les nombres vont s'ordonner, du plus petit au plus grand, mais ils n'utilisent pas la même échelle que nous. Et nous, ici, ce sont des sujets contrôle américains, c'est la même chose. On place les nombres sur une échelle linéaire. Bien entendu, entre 1 et 9, vous allez mettre 5 au milieu. Eux ne font pas ça, et ils utilisent une échelle logarithmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'ils connaissent les propriétés du logarithme, que mon fils passe le bac en ce moment, et il a encore un petit peu de mal avec les logarithmes. Donc, les Munuruku ne connaissent pas les logarithmes, mais ce qu'ils savent, c'est la ressemblance entre les nombres. Et ils savent que, quelque part, c'est 3 qui est au milieu de 1 et de 9, parce que 3 ressemble autant à 1 que 3 ressemble à 9. Et il y a le même rapport entre 9 et 3 qu'il y a entre 3 et 1. Ce sont les rapports qui comptent, à cause de cette incertitude d'approximation. D'une certaine manière, vous pouvez peut-être retrouver cette intuition. On pense que 5 est au milieu de 1 et de 9, mais si je vous demande de réfléchir un petit peu plus profondément, est-ce que 5 ressemble plus à 9 ou est-ce que 5 ressemble plus à 1? Bon. Si vous pensez aux ensembles d'objets correspondants, 5 ressemble plus à 9. Voilà. Et bien, c'est exactement ce que font les Indiens, et qui placent 5 ici, beaucoup plus près de 9 ou de 10 que de 1. Donc c'est ça l'intuition des nombres, ça veut dire qu'ils n'ont pas exactement le même système que nous. Ils ont un système dans lequel les nombres ne sont pas également espacés. La notion même que plus 1, ça donne le même espacement, quel que soit le nombre auquel on applique plus 1, ou la fonction successeur, qui est fondamentale en arithmétique, et bien ça c'est une notion culturelle, c'est une invention culturelle que nous n'avons pas spontanément sinon on ne va pas à l'école. Alors maintenant, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Est-ce que vraiment ces Indiens d'Amazonie ont un esprit complètement différent du nôtre? C'est évidemment pas ce que je veux dire. Alors je vais me servir d'un petit dessin ici de Gary Larson que j'aime bien. On voit les Indiens d'Amazonie qui regardent par la fenêtre. Ils voient arriver les explorateurs français avec leurs ordinateurs et ils se dépêchent, ils disent « Attention, des anthropologues, vite !» Bon, ils ne sont pas si différents de nous, évidemment. Alors, ils n'ont peut-être pas des télévisions ou des magnétoscopes, mais leur pensée, en fait, n'est pas différente de la nôtre. Et comment le montrer? Eh bien, en montrant que chez l'enfant, exactement le même genre de phénomène se produit. Si vous avez de jeunes enfants, de l'ordre de 5 ou 6 ans ou 7 ans, vous pouvez leur présenter une échelle. Alors, le plus simple, c'est entre 1 et 100. Parce qu'entre 1 et 10, le phénomène est extrêmement bref. Mais entre 1 et 100, vous leur montrez cette échelle et vous lui dites « Mais où placerais-tu le nombre 50? Où placerais-tu le nombre 10? Où placerais-tu le nombre 5 ?» etc. Et vous regardez, vous trouvez qu'au jardin d'enfants ou en CP, les enfants ont un comportement logarithmique, exactement comme chez les Indiens Munduruku. Ils n'ont pas encore compris l'échelle linéaire des nombres et ils placent plutôt 10 au milieu de 1 et de 100. Voyez. Et ça évolue progressivement et vers, disons, le CE1, eh bien, il commence à avoir un comportement strictement linéaire. Voyez. Donc, l'idée que les nombres forment une échelle linéaire n'est pas du tout spontanée. Elle demande une éducation, elle demande un entraînement. Le défaut, c'est cette échelle logarithmique que nous partageons avec d'autres espèces animales. Alors, je vais terminer en évoquant l'apprentissage des mathématiques, précisément. Les changements qui se produisent au cours du développement de l'enfant et la possibilité qu'il y ait des anomalies dans ce développement. Nous savons que les intuitions arithmétiques sont présentes non seulement chez d'autres espèces animales, mais également chez l'homme, très précocement. En fait, pratiquement dès la naissance, dès les premières semaines de vie, des premiers jours de vie dans certaines expériences, les bébés sont capables de réagir à des changements numériques dans leur environnement. Par exemple, je vous montre la vidéo d'un stimulus qui a été utilisé par nos collègues à Yale, aux États-Unis. Voilà, donc vous êtes le bébé. Hein. Voilà. Alors là, vous devriez être comme ça, hein. Pourquoi? Parce que vous avez vu 5 plus 5 égale 5. Hein? Au lieu de voir 5 plus 5, c'est égal 10. C'est-à-dire qu'il y avait 5 objets, 5 autres, et puis à la fin, il n'y en a plus que 5. Bon. Si vous avez fait attention au film, les tailles des objets, la longueur des objets changent de manière à ce qu'en fait, seul le nombre soit l'indice pertinent dans cette situation. Et effectivement, on peut montrer que les enfants sont surpris de voir des anomalies arithmétiques, comme 5 plus 5 égale 5.
Alors, évidemment, à cet âge, ils ne savent pas que 5 plus 5 fait exactement 10. Si on leur montrait 5 plus 5 égale 9, ils ne seraient pas surpris. Mais ils savent que ça doit faire à peu près 10. D'accord ? Et pareil pour 10 moins 5. On peut montrer que leur cerveau réagit déjà à ce type de changement numérique. Voilà une expérience qui a été réalisée par Véronique Izard au laboratoire, avec cet enregistrement de potentiel évoqué, dans lequel on place des petites électrodes sur le crâne des enfants. Vous voyez que ça les rend extrêmement heureux. Hein. Et les mamans aussi, d'ailleurs. Et alors, voilà ce que... Vous voyez le bébé, vous voyez, quatre canards, c'est extrêmement ennuyeux, toujours quatre canards. Ah, 8 canards, puis des canards d'un autre genre, d'ailleurs. 8 canards. Bon, la question qui est posée dans cette expérience, c'est est-ce que le cerveau de l'enfant va réagir à la nouveauté numérique ? On l'habitue à voir toujours 4, et on va regarder si son cerveau réagit à un nouveau nombre, par exemple 8. Si la distance numérique est suffisamment grande, et on a essayé 4 versus 8, 4 versus 12, et aussi des petits nombres, 2 versus 3, on sait qu'ils y discriminent bien, les enfants devraient être capables de réagir à la nouveauté numérique. Et ça, si on voit une telle réponse cérébrale, on pourra en déterminer que le cerveau est déjà capable, à l'âge de quelques mois ici, 2 mois, 3 mois, de répondre à la nouveauté numérique. Vous voyez que comme contrôle, on avait des changements de forme de l'objet sans changement de nombre. Parfois, on avait les deux ensemble. Donc on peut savoir si le cerveau réagit de la même manière à des changements de nombre ou des changements de forme. Il y a la réponse, mesurée à la surface du scalp, ce sont des petits potentiels électriques qu'on mesure, la réponse est tout à fait claire. Le cerveau de l'enfant à cet âge, à 3 mois, réagit déjà au changement de nombre avec une topographie d'activation cérébrale différente de la réponse au changement d'objet. Pour les changements d'objet, ce qu'on appelle la voie ventrale qui répond ici, bien, et notamment dans l'hémisphère gauche, avec une réponse lorsque l'objet change. Et pour le changement de nombre, c'est un peu plus distribué, mais vous voyez qu'il y a une réponse dans cette région pariétale, et en particulier pariétale droite, ce qui suggère que l'hémisphère droit, au moins au départ, joue un rôle particulier dans ce traitement des nombres, de la même manière qu'il joue un rôle important dans le traitement de l'espace. Et que déjà à 3 mois, le bébé est doué en mathématiques. Au passage, c'est un changement assez radical par rapport à nos connaissances antérieures qui suggéraient que le nombre se construit. On ne va pas nier qu'il y ait des changements et une construction culturelle du nombre au fur et à mesure de l'éducation, mais la base dont on part est très différente de ce qu'on pensait auparavant, notamment sur les travaux de Piaget. On pensait qu'il n'y avait pratiquement aucune compétence abstraite chez le petit enfant. On est en train de s'apercevoir que ce n'est pas du tout le cas, que le cerveau de l'enfant est extrêmement adapté à son environnement et dispose de compétences abstraites extrêmement importantes, notamment dans le domaine du nombre. Alors, l'intuition des nombres, évidemment, va jouer un rôle dans les apprentissages scolaires. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'effectivement, les enfants qui ont une intuition des nombres bien développée au moment où ils entrent à l'école sont ceux qui vont réussir le plus facilement dans les apprentissages scolaires en arithmétique. Voilà une expérience qui est extrêmement jolie, qui a été menée par nos collègues, notamment Elisabeth Spelke à Harvard, qui est parue dans Nature il y a juste 4 ans. On présente à des enfants de 5 ans, extrêmement jeunes, des opérations avec des nombres de 2 chiffres. Alors, ceux qui sont dans l'enseignement, dans cette salle, vont s'arracher les cheveux. Comment peut-on présenter des additions avec des nombres de 2 chiffres à des enfants de 5 ans qui n'ont jamais appris les nombres ? Bon. C'est vraiment audacieux comme expérience. Mais l'expérience est fondée, évidemment, sur l'approximation. Donc, on dit des choses comme « Sarah a 21 bonbons, elle en reçoit 32 plus, Jean, lui, a 34 bonbons, qui en a le plus ?» Ouais, c'est pas si facile. Mais évidemment, si vous approximez, vous voyez immédiatement quelle est la bonne réponse. Vous n'avez pas besoin de faire le vrai calcul. Même chose pour la soustraction. Sarah a 64 bonbons, elle en donne 13, Jean en a 34, qui en a le plus ? Vous pouvez faire varier la distance, mais si la distance est suffisamment grande, il suffit d'approximer. Eh bien, le résultat spectaculaire, c'est des enfants de maternelle qui n'ont jamais reçu une éducation formelle à l'arithmétique et au nombre à 2 chiffres, un peu comme nos Indiens d'Amazonie, spontanément, déploient des compétences pour ce type de situation. Ils savent approximer, c'est spontané. Ils le savent dans le domaine des quantités numériques, pour les ensembles d'objets, et ils transfèrent cette compétence au symbole. Dès qu'ils ont compris plus ou moins ce que ça veut dire 30 ou 50 ou 64, eh bien, ils peuvent appliquer leur intuition de ce domaine et répondre mieux que le hasard à ce type de situation. Oui, un changement quand même assez radical de pensée hein, par rapport à l'idée que il faut attendre que l'enfant soit prêt pour lui apprendre l'arithmétique. En fait, l'enfant est prêt, mais il a des intuitions. Et ce qu'il va falloir faire à l'école, c'est de s'appuyer sur ses intuitions.
Alors, comment mesurer finement, quantitativement, l'intuition des quantités numériques? Ah, j'ai oublié de vous dire une chose très importante sur la tâche précédente. Il y a un peu de variabilité entre les enfants. Ils ne font pas tous aussi bien. Si vous mesurez cette variabilité, vous pouvez prédire les scores de réussite 1 ou 2 ans plus tard à l'école. Oui. Donc, c'est très important. Ça veut dire qu'on a des prédicteurs, qu'il y a vraiment une sorte de relation qui a l'air d'être causale entre le fait d'être à l'avance dans certains de ces tests et le fait de réussir en arithmétique par la suite. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas modifiable, mais ça veut dire qu'il y a peut-être déjà une différenciation. On a trouvé exactement la même chose avec un test beaucoup plus simple. On va présenter aux enfants des ensembles de points, on va leur demander lequel est le plus grand, lequel a le plus grand nombre. Ce test suffit à mesurer la précision du système des nombres. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, parce que je vois qu'il est un petit peu tard, là. Mais essentiellement, c'est ce qu'on appelle la psychophysique. On est capable de mesurer extrêmement finement quelle est la distance minimale entre les deux nombres qui suffit pour qu'une personne donnée arrive à dire systématiquement lequel est le plus grand. Vous voyez, c'est une question de seuil. On arrive à mesurer le seuil. Et par ce biais-là, on arrive à mesurer la précision du système approximatif. On va le mesurer chez les enfants de maternelle, les enfants de 10 ans, les adultes. Vous voyez que la courbe devient de plus en plus raide. Ça veut dire qu'il faut en fait de moins en moins de différences numériques pour qu'une personne arrive à faire la différence. Eh bien, si on mesure ce paramètre en fonction de l'âge des enfants, on voit qu'il y a un développement absolument systématique. On commence avec un système extrêmement imprécis vers 3, 4 ans. Vers 10 ans, il est encore un petit peu imprécis et il atteint une précision de l'ordre de 15% chez l'adulte, plus ou moins 15%. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que si vous mesurez des enfants qui sont en difficulté arithmétique, ce qu'on appelle la dyscalculie, qui est un peu l'équivalent dans le domaine des maths de la dyslexie, eh bien ces enfants ont une précision tout à fait anormale de ce système approximatif. Ils ont 10 ans ici, mais ils sont pratiquement comme des enfants de 4 ans. Donc ça signifie que des tests aussi simples que de mesurer, si vous êtes capable d'approximer le nombre d'un ensemble d'objets, mesurent quelque chose de pertinent pour l'arithmétique scolaire. Et il y a beaucoup d'articles récents qui sont apparus, qui ont trouvé ces corrélations entre la réussite scolaire et ou la réussite, la compréhension de l'arithmétique et la précision de ce système approximatif des quantités. Alors en particulier, il y a des enfants qui sont en grande difficulté, qui sont ce qu'on appelle dyscalculiques, et on a commencé à trouver qu'ils ont parfois des anomalies dans l'organisation de leur lobe pariétal dans cette région qui s'intéresse aux quantités numériques. Donc vous trouvez effectivement parfois des enfants qui sont d'intelligence tout à fait normale, qui ont un enseignement normal, qui ont des parents normaux, qui leur apprennent convenablement et qui pourtant sont absolument rétifs à toute forme d'arithmétique. Ça prend des formes parfois tout à fait extrêmes. C'est des enfants qui ne savent pas vous dire, par exemple, qu'est-ce qu'il y a entre 2 et 4. Vous voyez, ils savent réciter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, l'aspect verbal ne leur pose pas de problème. Mais la compréhension de ce que ça veut dire leur pose d'énormes difficultés. Ils ne vont pas savoir faire 5 moins 2, par exemple, ou dire ce qu'il y a entre 2 et 4. Nous avons observé chez l'adulte ce type de comportement. Chez l'adulte, vous pouvez observer ce type de comportement chez des personnes qui ont un accident vasculaire cérébral dans la région pariétale de l'hémisphère gauche en particulier. Ils développent à ce moment-là ce qu'on appelle une acalculie, c'est-à-dire ils perdent leur compétence pour l'arithmétique. Et ça peut être parfois tout à fait dramatique, comme ne plus savoir faire 7 moins 2 ou 11 plus 3. Eh bien, il semble que quelque chose d'assez similaire existe chez l'enfant dyscalculique, en sorte qu'on trouve chez les enfants dyscalculiques des anomalies de matière grise, par exemple chez les anciens prématurés. On trouve ça dans certaines maladies génétiques, par exemple le syndrome de Turner. Certaines femmes atteintes du syndrome de Turner, c'est une maladie génétique dans laquelle les femmes ont un seul chromosome X. Et vous voyez qu'il y a des anomalies de matière grise et également d'activation de cette région. On trouve ça également chez certains enfants qui ont été exposés à l'alcool in utero, ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisme fœtal ou d'alcoolisation fœtale. Et on trouve parfois des comportements tout à fait étranges, comme l'incapacité de donner un nombre pertinent dans une situation donnée. Par exemple, quelle est la taille maximale d'un couteau de cuisine? Je ne sais pas quelle serait votre réponse. Allez, peut-être un grand couteau, 35 cm, quelque chose comme ça. Ici, vous voyez, 2 mètres. Quelle est la longueur d'un billet de 10 euros? 1,50 m. Combien de temps faut-il pour conduire de Paris à Madrid? 1 heure. Ouais.
Alors, on a été très généreux dans la manière de scorer ce type de test, mais malgré tout, les enfants et les jeunes adolescents qui ont été exposés à l'alcool in utero ont des scores tout à fait anormaux, et ça traduit aussi une forme de dyscalculie, ou en tout cas de méconnaissance des quantités numériques. Eh bien, je voudrais terminer simplement en mentionnant qu'on commence à comprendre donc, que cette dyscalculie, tout à fait comme la dyslexie, hein, a souvent une origine cérébrale, ça peut être des anomalies parfois dans la migration des neurones, des anomalies périnatales, mais je voudrais terminer simplement en disant que ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour ces enfants. Et le dernier volet, le plus récent de cette recherche sur les nombres et le cerveau, consiste à essayer d'appliquer ces connaissances pour développer des outils de rééducation. Et dans mon laboratoire en particulier, des outils de rééducation par l'ordinateur, par l'informatique, en essayant de mobiliser le potentiel, que je crois que vous connaissez tous si vous avez des enfants, le potentiel extraordinaire de l'informatique pour attirer les enfants, pour leur permettre de jouer parfois pendant des heures, de façon parfois excessive évidemment, aux jeux informatiques. Alors on a conçu un jeu informatique qui, sans le dire évidemment, fait travailler les enfants en arithmétique. Le jeu consiste tout simplement à faire la course avec un personnage qui est dans l'ordinateur, qui est le crabe. C'est le méchant, évidemment. Alors, c'est moi qui ai donné ma voix au crabe. Si vous jouez au logiciel, vous reconnaîtrez ma voix. Puis, il y a le gentil dauphin qui est évidemment l'enfant lui-même. Et pour avancer sur ce parcours, il faut choisir des nombres. Il y a deux nombres à choisir à chaque instant. Il faut choisir le plus vite possible le grand nombre, évidemment, parce que c'est le grand nombre qui vous permettra d'avancer plus vite que votre adversaire. Pour choisir le plus grand nombre, il faut comparer ces deux nombres. On peut faire varier la distance entre les nombres. On peut faire varier le mode de présentation. Par exemple, ici, c'est un ensemble de points, mais ça peut être aussi des chiffres arabes. Voire vous voyez ici des calculs assez compliqués. Ici, c'est compliqué parce qu'il vaut mieux choisir 4 plus 3, qui sont des petits chiffres, que 8 moins 6 qui sont des grands chiffres. Donc vous voyez qu'on peut manipuler de façon assez fine sur la base de nos connaissances antérieures la difficulté de ces problèmes. Et on a conçu un logiciel qui, derrière le dos de l'enfant, manipule de façon précise la difficulté des problèmes qui lui sont présentés. De sorte que l'ordinateur détecte le niveau de l'enfant, détecte les problèmes qui vont lui poser des difficultés et va en présenter juste la dose qu'il faut pour que le jeu soit toujours stimulant, et juste assez difficile pour qu'on ne soit pas sûr de gagner. En réalité, ce que ne sait pas l'enfant, c'est que derrière son dos, l'algorithme ajuste la difficulté de sorte qu'en fait, il est sûr de gagner. Mais il est sûr de gagner en faisant un effort. On va présenter les problèmes juste assez difficiles. Alors, on a utilisé ce logiciel. Je vais peut-être passer sur ce résultat-là. On a commencé à utiliser ce logiciel en collaboration avec d'autres collègues, comme Michel Fayol, qui est un psychologue développemental français bien connu, et Anna Wilson, qui a développé ce logiciel, pour vérifier si, oui ou non, il a un effet sur le développement de l'enfant. Et on a choisi de le tester, en particulier chez des enfants à risque, des enfants issus de banlieues défavorisées qui peut-être n'ont pas beaucoup de chance de jouer à ce type de jeu. Et vous voyez que dans ce type d'expérimentation, par exemple, on a deux groupes d'enfants. Les enfants qui commencent avec notre logiciel entre T1 et T2, et puis ensuite entre T2 et T3, ils jouent à autre chose, un logiciel de lecture. Et puis il y a les enfants qui commencent avec le logiciel de lecture et ensuite qui jouent avec notre logiciel. C'est comme ça qu'on contrôle pour les effets d'ordre d'exposition. Et ça, ici, ce sont les performances, par exemple, dans la tâche de comparaison de nombres. Vous voyez que les enfants s'améliorent beaucoup plus lorsqu'ils ont joué avec notre logiciel que lorsqu'ils ont joué à un logiciel de lecture. Donc, ce sont des résultats encourageants, ils ne sont pas énormes. On pense qu'on sait les améliorer maintenant, et on va pouvoir les améliorer en particulier avec l'aide d'autres études internationales du même style. Il y a une étude assez ancienne, déjà, de Griffin et Case, qui est très intéressante. Ils ont pris des enfants de la banlieue de Chicago, et ils ont fait jouer à des jeux de plateau. Ils ont pris en fait les derniers de la classe, vous voyez que ça commence ici au jardin d'enfants, où il y a la population normative en bleu, il y a les enfants défavorisés des banlieues de Chicago en rouge, et il y a ceux qui ont été choisis en vert, qui sont les plus mauvais, à qui on va essayer de faire rattraper en les faisant jouer à toutes sortes de jeux arithmétiques, et notamment des jeux de plateau, type jeu de loi, etc. Et vous voyez que les enfants à qui on fait ce genre d'intervention montent extrêmement rapidement. À la fin de l'année, ils sont revenus au niveau des enfants normaux et ils gardent leur avance et en fait, ils dépassent les autres par la suite. Donc il suffit d'une intervention assez minimale. Enfin, c'est ici quelques dizaines d'heures de jeux arithmétiques de différentes sortes en classe pour permettre à ces enfants de rattraper.
Donc jouer à des jeux de plateau à la maison, à la bonne paix, etc., c'est la bonne chose à faire. Voilà quelque chose d'encore plus simple ici. On joue à une ligne numérique, on fait la course sur une ligne numérique, on jette un dé, le dé fait soit 1, soit 2, soit 3, et on compte pour avancer. Et on fait la course. Et les 5 élèves de la classe font la course pour essayer d'arriver le premier à l'arrivée. Ça peut paraître un jeu idiot, mais à un âge assez jeune, les enfants aiment bien jouer à ce genre de jeu. Et ils apprennent les nombres. Et lorsqu'ils ont joué suffisamment à ce jeu, mais c'est juste quelques heures, eh bien, leurs performances deviennent linéaires. Ils ont compris cette notion de linéarité de l'espace des nombres. Ce qui est très bien fait dans cette étude, c'est qu'il y a une situation de contrôle où il y a un plateau avec des couleurs. On jette un dé sur lequel il y a des couleurs et vous devez avancer, par exemple, jusqu'à la couleur suivante, la couleur verte. Voilà. Donc, tout est bien contrôlé. Vous faites presque la même chose, mais vous ne travaillez pas sur les nombres. Ça n'a aucun effet sur l'arithmétique de l'enfant. Et donc, c'est vraiment l'entraînement spécifique au comptage, à l'arithmétique, à la mise en liaison des nombres avec l'espace, au jeu de plateau, qui peut avoir une influence positive sur le sens des nombres de l'enfant. Nous commençons tous avec un sens des nombres, mais peut-être pas avec le même raffinement, peut-être pas avec la même précision, et nous pouvons améliorer cette précision. Alors je vais juste terminer en donnant quelques implications pour l'éducation. Je pense que c'est très important pour les sciences cognitives de réfléchir à la manière dont elles peuvent avoir un impact dans le domaine éducatif. Et beaucoup de ces résultats, vous l'avez vu, ne sont pas intuitifs. Ce ne sont pas des choses qu'on découvre tout seul hors du laboratoire. Il faut vraiment faire des expériences pour le découvrir. Alors, donc, découverte importante, les jeunes enfants, avant l'entrée à l'école, possèdent déjà des intuitions mathématiques profondes. Je pense qu'il faut absolument les utiliser comme socle des apprentissages. Je pense que c'est une erreur fondamentale de beaucoup d'enseignements en mathématiques de penser qu'on doit tout apprendre à l'enfant. Et le résultat, c'est que l'enfant croit comprendre que son intuition n'a aucune importance, que les mathématiques sont un jeu arbitraire, que tout est possible, que tout ce qu'il faut faire, c'est faire comme a dit le maître, c'est-à-dire imiter servilement ce que fait le maître au lieu de réfléchir et d'utiliser son intuition. Donc je milite profondément pour une restauration de l'intuition en mathématiques avant l'apprentissage par cœur. Il y a de nombreux exemples qui montrent que sinon les enfants peuvent avoir des performances qui superficiellement sont impressionnantes mais en fait aucune compréhension profonde de ce qu'ils font. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est vous demander à un enfant de 6 ans combien font 6 plus 5 moins 5. Okay, bon, un enfant de 6 ans normalement intelligent vous répond tout de suite 6. J'espère que vous avez trouvé la bonne solution. Maintenant vous posez la même question à un enfant de 9 ans. Et dans de nombreuses situations, vous allez voir qu'il fait 6, 7, 8, 9, 11, puis moins 5, 10, 9, 8. Il y a beaucoup de chances de se tromper d'ailleurs. Il fait le calcul. Pourquoi il fait le calcul? Parce qu'il faut faire comme on m'a dit de faire à l'école. C'est typiquement cette notion que les mathématiques sont un jeu arbitraire, que je n'ai pas à réfléchir par moi-même, qu'il n'y a rien à comprendre. C'est juste des règles, une sorte de jeu abstrait. Il faut faire comme la maîtresse a dit de faire. Bon. Ce n'est pas ça du tout, les mathématiques. Les mathématiques, dans l'histoire des mathématiques, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des problèmes concrets, intuitifs, qui avaient une importance pour les personnes qui se les sont posées et qui continuent d'avoir de l'importance pour nous aujourd'hui. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux enfants. Alors, comment le faire comprendre? Eh bien, en particulier, par le biais d'outils mathématiques, comme le boulier, par exemple, ou des outils très concrets, les doigts, sont des supports de l'intuition mathématique et ça peut permettre à l'enfant de développer son sens des nombres, d'abord d'une façon approximative et ensuite, bien sûr, d'un point de vue exact. Je suis très impressionné, à vrai dire, par le boulier chinois parce que je trouve qu'il combine exactement les éléments indispensables, c'est-à-dire le sens des quantités sous forme d'objets mobiles, un ensemble concret d'objets, mais en même temps un sens exact parce qu'on peut compter de façon extrêmement précise jusqu'à plusieurs dizaines de millions. Avec cet objet-là, ce sont des symboles, mais présentés sous une forme concrète. Mais les doigts fonctionnent aussi de la même manière. Bon, la calculette, pourquoi pas? Il y a toute une histoire évolutive des mathématiques avec apparition de symboles d'un type nouveau, comme le boulier, par exemple, les chiffres arabes. Les chiffres arabes n'ont pas toujours été avec nous. En fait, on a remplacé ce qui était autrefois le boulier ou la tablette à poussière des Grecs ou des Romains par les chiffres arabes. Ça a été une révolution culturelle massive, au moins aussi importante que l'introduction de la calculette aujourd'hui. Pourquoi refuser qu'il y ait des outils culturels nouveaux du moment qu'on continue de s'appuyer sur une compréhension de ce qu'on fait? Alors, évidemment, il y a des cas où l'intuition peut induire en erreur. C'est le cas, par exemple, dans le cas des fractions.
c'est très difficile, avec le système approximatif que je vous ai décrit, de comprendre, pour un enfant, ce que c'est qu'une fraction, parce qu'une fraction, c'est deux nombres, et en même temps, ça n'en est qu'un seul. Bon, il faut trouver ici de nouvelles astuces pédagogiques. Si on regarde dans l'histoire des mathématiques, on s'aperçoit que presque toujours, dans ce type de situation, les mathématiciens eux-mêmes ont douté de l'existence de ces outils mathématiques. Par exemple, vous regardez les nombres négatifs. Il y a une littérature ancienne extraordinaire qui nie l'existence des nombres négatifs, alors qu'on les apprend maintenant à nos enfants. Les nombres complexes, on les a appelés imaginaires. On a pensé qu'ils n'existaient pas, que ça n'avait aucun sens, que c'était ridicule de parler de la racine carrée d'un nombre négatif. Et dans un certain sens, évidemment, ça viole l'intuition. Mais voilà, on peut dépasser l'intuition. Alors, je souligne enfin en particulier que oui, c'est une réalité, et parfois vous lirez dans le journal le contraire, mais je suis désolé, ça, on en est vraiment tout à fait sûr maintenant au niveau de la recherche en neurosciences cognitives. Il y a des enfants qui ont des difficultés particulières dans le domaine des nombres, en partie pour des raisons cérébrales. Peut-être pas tous, il y a certainement des enfants qui ont aussi un mauvais enseignement ou une mauvaise capacité de suivre cet enseignement, mais il y a des enfants pour qui c'est une vraie difficulté d'origine cérébrale, ce sont des dyscalculiques. Il faut les aider, et pour les aider, ce n'est pas parce que c'est dans le cerveau qu'il faut se résigner, il y a de nombreux moyens d'intervenir. Ces moyens d'intervenir incluent l'informatique, mais pas seulement, et le simple fait de manipuler des nombres dans la vie quotidienne autour de ces enfants peut les aider à surmonter ces difficultés qui sont très souvent transitoires. Donc les logiciels, les jeux éducatifs qui mobilisent l'attention de l'enfant, et je pense que l'ordinateur a un rôle particulier à jouer parce que précisément, il est d'une certaine manière addictif, il va vraiment permettre à l'enfant de jouer pendant des heures, peut-être plus qu'avec un professeur particulier, peuvent vraiment faire une différence importante ici. Voilà, je pourrais continuer encore pendant longtemps, il y a des conclusions un peu plus philosophiques, je vais passer tout ça. Je vous remercie immensément de votre attention et je vous renvoie vers cet ouvrage si jamais vous voulez avoir d'autres détails. Je peux bien sûr répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci. Alors, on va peut-être se mettre là pour répondre. Vous allez vous asseoir un peu, voire peut-être un petit peu. Oh là là, je trouve que vous faites un métier formidable. Puis alors, qu'est-ce que vous expliquez bien les choses? C'est extraordinaire. C'était la même chose pour les neurones de la lecture. J'adore le petit garçon. En fait, vous me l'avez dit hein, tout à l'heure, il est assis sur son pot. En train de lire le journal, c'est trop mignon. Voilà, je pense quand même que, même si tout est très clair, ça attire quelques questions. Juste une petite précision, vous avez fait la voix du coq parce que de âne, ça veut dire le coq. C'est le crabe. Ah, c'est le crabe, j'avais compris le coq. Voilà, tenez. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et si vous voulez, on vous donne la parole tout de suite. C'est parti. Oui, il y a en fait deux questions. Et la première, c'est, donc vous avez démontré qu'il y a certainement, même avec les enfants, ou peut-être avec les individus d'un âge un peu plus avancé, il y a une certaine plasticité dans le cerveau qui permettrait de remettre les choses en place. Est-ce que vous avez, vous êtes informé sur des études qui permettent à un âge plus avancé de faire appel, en tout cas, à toutes ces informations des bases, des scientifiques des bases, et qui permettent aussi d'élaborer une méthodologie pour permettre à des individus qui, à un moment donné, dans l'enseignement, sont un peu décalés au niveau des lycéens, les difficultés, par exemple, pour la compréhension de ce qui est un logarithme, ou des notions d'analyse un peu plus avancées, et qui permettent de les récupérer et partir, sachant que nous avons tous, en principe, s'il n'y a pas d'anomalie, la capacité d'assimiler certaines connaissances, une méthodologie pour permettre que cette inculture mathématique, qui se développe de plus en plus, il semblerait, et que pas mal de gens dans la salle disent ah, les maths, c'est extrêmement dur, on est nul en maths, etc., pour permettre d'encontrer un peu cette tendance qui existe, pas seulement dans la société française, mais dans d'autres pays aussi.
Merci pour votre question. Ça, c'est une question. Je vais peut-être répondre à cette question-là, qui est une très bonne question. Alors, je dois tout de suite vous dire que dans le cerveau, on ne comprend pas encore tout, loin de là. Il y a énormément de recherches à mener. Et les algorithmes d'apprentissage et la nature de la plasticité neuronale ne sont pas encore du tout complètement concrets. Effectivement, on se rend compte que seulement une partie de l'organisation cérébrale est spécifiée par les gènes et qu'une très grande partie, dans la plupart des régions cérébrales, est laissée à l'interaction avec l'environnement, une forme d'apprentissage. Il y a des limites. J'entends un peu trop de choses sur la plasticité neuronale en ce moment, c'est très à la mode. La vérité, c'est que vous avez vu par exemple que chez toutes les personnes, dans tous les cerveaux, c'est la même région cérébrale qui intervient pour les nombres. Donc ça n'est pas aussi plastique que cela. Le bébé est déjà très organisé et la géométrie de l'organisation du cerveau est très reproductible. Bon, mais c'est vrai qu'il y a une marge de plasticité. On essaye de la comprendre et peut-être que ça conduira à optimiser l'éducation. Alors, dans le cas spécifique de la question que vous posez des enfants peut-être adolescents et qui ont décroché, je n'ai pas la réponse. Je pense que je peux donner une réponse un petit peu plus générale qui est quels sont les grands paramètres qui font varier la vitesse d'apprentissage. Il y a plusieurs paramètres qui sont très importants. Un des paramètres fondamentaux, c'est... je vais en donner trois et on pourrait continuer très longuement sur le sujet. Premier paramètre, l'émotion positive, l'attention qui est portée au stimuli. Donc, il faudrait que les enseignants arrivent à rendre leurs cours passionnants. C'est-à-dire qu'on soit vraiment absolument accroché. C'est pas très difficile. Vous avez visité l'exposition qu'on a vue tout à l'heure. C'est plein d'objets absolument stupéfiants, de casse-tête, qui sont très attirants pour les enfants. Si c'était ça, les mathématiques. Or, c'est ça, les mathématiques. C'est plein d'objets intrigants, bon, si c'était présenté comme ça. Deuxième paramètre, le sommeil. On est en train de se rendre compte que le sommeil est un modulateur fondamental de l'apprentissage. Et en fait, le cerveau est actif dans le sommeil, ça on le savait déjà depuis longtemps. Le cerveau tourne un algorithme d'apprentissage durant le sommeil. Il faut voir les choses comme ça. Donc, faites dormir vos enfants, c'est pas très compliqué. Laissez dormir les ados, ça, c'est pas si compliqué non plus. Même si je sais pas pourquoi, on est tous un petit peu irrités. Ça sera bien maintenant quand ils se lèveront à midi et que vous leur direz quand même, tu pourrais te lever un peu plus tôt. Tu pourrais dormir encore un peu. Je travaillais. Voilà, il y a des facteurs très généraux de ce genre-là. Je voulais en donner un troisième, peut-être je peux le mentionner, c'est l'erreur. Le cerveau apprend lorsqu'il fait des erreurs. Le cerveau apprend lorsqu'il fait une prédiction et que cette prédiction s'avère fausse. Voyez ? Et lorsque la prédiction est très fausse, le cerveau se corrige énormément. Donc laissons faire des erreurs aux enfants. Il faut qu'ils soient actifs, il faut qu'ils génèrent des prédictions et aucun problème si ces prédictions sont fausses. Donc aucun problème pour évaluer les enfants. S'il faut les évaluer, il faut qu'ils aient les moyens de se corriger. Voyez ? Donc l'évaluation n'est pas forcément quelque chose de négatif. L'évaluation est considérée comme négative simplement parce qu'elle est péjorative. Elle punit au lieu d'être dans cette situation d'émotions positives vis-à-vis de l'apprentissage. Mais l'évaluation, par contre, peut permettre de corriger ses propres erreurs. Donc voilà, des principes extrêmement simples qui existent dans de nombreuses pédagogies déjà. Alors la deuxième question ? Oui, très rapidement, et ça va plus profondément dans ce qui sont les mathématiques en général. Et il y a, vous avez tout le long de votre exposé, vous avez basé votre exposé sur le raisonnement arithmétique. Or, on sait tous que c'est la base, l'une des bases des mathématiques, mais elle n'est pas la seule. Et il y a des personnes, c'est mon cas personnel par exemple, dans lequel la notion des calculs ou la réalisation des calculs mentaux se réalise avec très grande difficulté, mais ça ne m'a pas empêché pour autant d'accéder à des notions mathématiques beaucoup plus abstraites, parce qu'il y a dans mon cerveau un traitement plutôt spatial, analogique, comme vous l'avez décrit, qui permet d'atteindre des notions mathématiques d'analyse un peu beaucoup plus avancées et des raisonnements physiques autour de ces notions-là. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres branches de la mathématique qui n'obéissent pas aux mêmes mécanismes mentaux que l'arithmétique elle seule ? C'est une excellente question. Moi, j'aime bien la notion des fondements des mathématiques. Je pense qu'il y a plusieurs fondements des mathématiques et je pense qu'en fait, presque
tous les domaines se transforment en mathématiques lorsque certaines conditions sont réunies. Donc on l'a vu par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, est apparue la théorie des nœuds en mathématiques. Personne n'avait pensé qu'avec des nœuds, on pouvait faire des mathématiques. Donc je crois effectivement que ce que j'ai décrit, c'est un mécanisme assez général. Il va y avoir différents fondements suivant les domaines des mathématiques. Par exemple, la géométrie s'appuie sur d'autres systèmes cérébraux qui donne une intuition du comportement de navigation dans l'espace. La navigation dans l'espace est extrêmement partagée également chez de nombreuses espèces animales, et d'une manière que nous ne comprenons pas encore très bien, elle nous donne vraisemblablement l'intuition du plan euclidien, de la droite, c'est-à-dire aller tout droit devant soi, du point, etc. On vient de publier avec Véronique Izard, il y a 15 jours, dans une grande revue américaine, une nouvelle expérience chez les Indiens d'Amazonie qui montre que sans éducation, sans langage pour en parler, ils comprennent ce que c'est que le plan euclidien, ils comprennent ce que c'est que les droites parallèles, ils comprennent qu'il existe une seule parallèle qui passe par un point et qui est parallèle à une droite donnée. Vous voyez, ce genre de choses. Quand je dis ils comprennent, ils ne sont pas capables de le démontrer, comme l'a fait Euclide, la notion de démonstration, quelque chose de supplémentaire, mais ils ont l'intuition. Et ils comprennent très bien que si l'espace n'est pas un plan mais une sphère, tout change. Et ils comprennent qu'à ce moment-là, la somme des trois angles d'un triangle ne fait pas une constante, mais varie suivant les angles en question. Donc et là encore, il y a un immense champ d'intuition, et ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois, les mathématiques vont plus loin en formalisant ces intuitions. Mais le point de départ, ce sont des intuitions que nous héritons de notre évolution dans tous ces cas-là. Michel Cabaret, une question à poser ? Oui, moi je voulais vous féliciter pour votre très belle conférence. Et puis j'étais interpellé lorsque vous avez montré la frimousse là, du bébé de 3 mois, lorsque vous lui envoyez 5+5 et lorsqu'il voit que ça fait... Après il voit 5 et il est interpellé. Je me disais, il a 3 mois le bébé. Et après, une question plus générale liée à l'éducation, est-ce que finalement on n'aurait pas intérêt à envoyer plutôt les enfants à l'école parce qu'ils sont disponibles finalement? Ça pose des questions sûrement, mais ils sont quand même disponibles pour comprendre des choses tout petits, quoi. Écoutez, c'est une bonne question et la réponse est je n'en sais rien. Je pense qu'il faut quand même être un petit peu prudent dans ce domaine. Je crois qu'il y a une maturation cérébrale qui est assez lente malgré tout chez l'enfant. Hein. Mais pour les neurones de la lecture, j'avais exactement la même question. Est-ce qu'il y a un âge bien particulier auquel le cerveau est prêt à apprendre à lire? Je n'ai pas trouvé la réponse. Je pense qu'on n'a pas la réponse dans la recherche actuelle. C'est très difficile, évidemment, de faire cette expérience. Elle n'est peut-être pas éthique, d'ailleurs, et personne ne l'a faite. Savoir si on pourrait enseigner la lecture à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je pense que si on revenait 10 siècles en arrière et vous disiez aux mathématiciens arabes qu'il y avait de la peine à propager les chiffres arabes que des enfants de 5 ans les apprendraient, ils auraient été stupéfaits. Donc je pense qu'on n'a pas tout à fait pris encore la mesure de la plasticité cérébrale et des capacités des jeunes enfants. Je crois aussi qu'avec la génération numérique, on va voir encore des changements extrêmement importants chez les enfants. Donc la question est ouverte. Elle n'est pas facile à explorer, très honnêtement. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, si là-haut, vous voulez en poser, hein, voilà, vous parlez très fort, on n'a pas de micro, mais vous parlez, on va vous entendre. Allez-y. Oui, allez-y. Quelques unités, 3-4, comme il était probablement chez nos ancêtres au paléolithique.
Non, merci pour cette question. Bon, j'avoue ma méconnaissance totale des oméga 3 ou 6. Je pense que c'est un petit peu hors sujet, mais là où je pense que vous avez tout à fait raison, hein, c'est qu'il y a une dimension de changement culturel qui est d'ailleurs extrêmement lente dans l'espèce humaine. Ça prend des générations pour propager ces outils culturels qui sont les inventions des chiffres arabes ou de la ligne numérique, des coordonnées cartésiennes, etc. Moi, contrairement à vous, je ne pense pas qu'il s'agisse principalement de changements nutritionnels ou de changements biologiques, mais je pense qu'il s'agit d'inventions culturelles. Et ce sont vraiment des révolutions mentales qui se produisent lorsqu'on invente les chiffres arabes ou simplement le comptage. C'est assez phénoménal de voir que ces Indiens d'Amazonie peuvent tout à fait être aussi intelligents que vous et moi, mais tout simplement, ils n'ont pas, dans leur environnement, inventé la notion de comptage. Alors, je crois que il y a eu, dans l'histoire des mathématiques, par exemple, dans la Grèce antique, des avancées absolument considérables qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, maîtrisées, même par des jeunes, de terminale aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une histoire complètement linéaire, c'est une histoire ramifiée, avec des inventions, des oublis, des progrès. Néanmoins, je dirais quand même que la planète n'a jamais été aussi mathématique que maintenant. C'est quand même très impressionnant de penser que nous sommes très nombreux à maîtriser des outils qui, il y a seulement un siècle ou deux, étaient l'apanage de quelques mathématiciens extrêmement avancés. L'histoire des mathématiques s'est accélérée d'une façon phénoménale. Si vous regardez Joseph Fourier, si vous regardez la théorie des groupes, si vous regardez tout simplement la théorie newtonienne, par exemple. Je suis toujours stupéfait de voir que quand les enfants vont en maths sup ou en maths spé, ce qu'ils apprennent en mécanique, c'est pratiquement tout le contenu du bouquin de Newton. C'est un gars, Newton, qui a créé tout ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, en maths sup, en mécanique. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui tous sont capables d'aller aussi loin que Newton et bien au-delà. Je pense que c'est ça, c'est cette dimension d'éducation. Alors vous avez raison qu'il y a quelque chose à expliquer dont je n'ai pas du tout parlé dans ma conférence, c'est que seule l'espèce humaine est capable de cette dimension culturelle ou éducative. L'espèce humaine est la seule espèce de primate et la seule espèce animale tout court à éduquer, c'est-à-dire à faire attention aux états mentaux de ses enfants et à leur transmettre par l'apprentissage des choses qu'elles connaissent et qu'eux ne connaissent pas encore. Ça, il y a vraiment quelque chose à expliquer là. Il y a le cerveau enseignant et l'éducation. Ça n'est pas complètement compris quelle sorte de mutation dans le cerveau de l'homme nous permet de nous éduquer. C'est un très grand sujet de spéculation. J'en parle un tout petit peu dans le dernier chapitre des neurones de la lecture. Et j'envisage différentes hypothèses, dont celle que nous avons, ce que Jean-Pierre Changeux et moi appelons un espace de travail mental. C'est-à-dire une capacité de manipuler de façon beaucoup plus flexible à l'intérieur de notre cerveau des représentations mentales qui sont la chaîne animale, mais qui sont beaucoup moins flexibles, beaucoup plus encapsulées, si vous voulez. Donc nous aurions une sorte de capacité de jouer avec nos représentations mentales. Et par exemple, nous pouvons dire, qu'est-ce qui se passe si j'alloue une forme différente à chacun des nombres? Vous voyez, je mets en relation le système des formes avec le système des nombres. Alors ça donne les chiffres arabes, je peux étiqueter les nombres. Qu'est-ce qui se passe si je mets en relation l'espace avec le nombre? Alors ça me donne la mesure. Je pense que le lien entre le nombre et l'espace sont absolument fondamentaux pour l'histoire des mathématiques, à toutes sortes d'étapes de l'évolution des mathématiques. Donc cette capacité de jouer de façon flexible et de mettre en relation des objets mentaux a l'air tout à fait particulière à l'espèce humaine. Et ça, c'est l'hypothèse que, personnellement, j'essaie de développer avec Jean-Pierre Changeux. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. On vous donne le micro. Merci. Deux petites questions. La première, l'avènement de la calculette, il y a maintenant une quarantaine d'années, est-ce qu'il n'a pas faussé notre rapport avec les nombres? Et deuxième question, certaines personnes ont la capacité d'effectuer mentalement des multiplications phénoménales. Alors, est-ce du domaine de l'apprentissage ou de l'inné? Merci. Ce sont deux difficiles questions, j'allais dire. Je ne saurais pas répondre sur la calculette, parce qu'on n'a pas d'études finalement comparatives qui permettraient de voir s'il y a eu ou non des changements. Je ne vois pas pourquoi le changement serait plus négatif que positif, très honnêtement. Donc, en utilisant le terme « faussé »,
Vous pensez que la calculette a quelque chose de péjoratif. C'est possible que la calculette nous évite de réfléchir. C'est certainement le cas pour l'algorithme de division, par exemple. Je crois que presque plus personne ne sait encore faire des divisions. Tout le monde sort sa calculette. Bon, mais est-ce que c'est tellement important, cette chose-là? Ou bien est-ce que, comme... Ça ne veut pas dire qu'on s'atrophie un peu, là, quelque part? Moi, je ne vois pas pourquoi on doit nécessairement penser qu'on s'atrophie, sachant que ça n'a pas un grand intérêt, quand même, de savoir diviser d'une procédure comme une autre. Et on a appris toutes sortes d'autres procédures. Maintenant, sur votre deuxième question, très intéressante, qu'est-ce qui se passe chez ces rares personnes qui sont capables de faire des calculs prodigieux, disons, ces calculateurs prodiges? Alors, en fait, il y en a deux sortes. Il y a des gens comme vous et moi qui se passionnent pour ce domaine et on connaît par exemple des informaticiens qui ont créé des algorithmes particuliers pour réaliser des prouesses mathématiques, enfin calculatoires plutôt, c'est pas vraiment mathématique, c'est simplement calculatoire. Puis il y a des personnes encore plus étonnantes qui sont parfois des personnes autistes. Il y en a certains qui n'ont même pas de langage en dehors du domaine des nombres, mais qui font vraiment des prouesses de calcul, et notamment dans le domaine du calendrier aussi, qui sont capables de donner le jour de la semaine pour une date donnée. Bon, ces cas ne sont pas énormément étudiés. Ce sont des situations assez rares. Il y a beaucoup de ces personnes ne veulent pas en parler ou ne peuvent pas s'exprimer, donc c'est assez difficile. Ce qu'on sait tout de même, c'est que toutes ces personnes ont travaillé énormément pour parvenir à leur performance. Alors, dans le cas des personnes autistes, c'est une inférence, mais on voit par exemple qu'elles passent des heures entières devant le calendrier à l'étudier. Vous voyez. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'elles font. Elles n'ont pas forcément une compétence explicite qu'elles sont capables d'exprimer. Il y a un cas assez intéressant qui a été publié qui montrait par exemple que la personne ne savait pas ajouter 7, ne savait pas faire plus 7. Alors, on pourrait penser que pour le calendrier, c'est fondamental parce que ça permet de sauter d'une semaine à l'autre. Mais c'est, bon, cette personne, visiblement, utilisait un algorithme qui ne nécessitait pas de faire plus 7. Néanmoins, tous les cas qui ont été étudiés ont montré que les algorithmes en question n'avaient rien d'extraordinaire, si vous voulez. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes malins, mais que n'importe lequel d'entre nous peut apprendre. Et en réalité, sans doute, pourrait les apprendre de façon plus efficace encore qu'une personne avec éventuellement un retard mental ou un autisme. Ce qui est particulier chez ces personnes, c'est leur capacité, peut-être parfois pathologique, de s'intéresser de façon aussi étroite à un domaine aussi particulier pendant des dizaines de milliers d'heures. L'expérience a été faite. Si vous payez un étudiant américain pour s'intéresser pendant des dizaines d'heures à ces domaines-là, il va développer des performances qui seront du même niveau que les calculateurs prodiges. Dans mon livre, d'ailleurs, La bosse des maths, je cite le livre assez ancien de Binet, qui est l'inventeur des tests de QI, qui avait étudié les calculateurs du bon marché. Alors ça, on a tous oublié ça, mais il n'y avait pas à l'époque de calculettes électroniques, évidemment. Les calculatrices mécaniques existaient, mais coûtaient cher. Et à la place, qu'est-ce qu'on faisait? On employait des calculateurs. Et au bon marché, quand vous alliez à la caisse, vous aviez un calculateur qui vous faisait votre addition, qui calculait les métrages, etc. Et Binet était allé les étudier, avait montré qu'il calculait, évidemment, prodigieusement, à peu près d'une manière qui pouvait être comparable à celle d'Inaudi, qui était un calculateur prodige de l'époque. Donc voilà, c'était un métier, on pouvait l'apprendre. On a un peu oublié ça. Je pense que tous, on serait capable d'apprendre. Il y a toutes sortes d'astuces qui sont extrêmement amusantes. Donc, vous pouvez faire des multiplications de grands nombres, par exemple 37 parfois 39, c'est assez facile si vous prenez en compte les identités remarquables qui font que 37 moins 39, c'est 38 au carré moins 1, et 38 au carré, c'est 40 au carré moins 2 au carré, si j'ai pas, enfin, quelque chose comme ça. Bon, voilà, vous voyez, vous en sortez très bien. Donc, c'est pas, honnêtement, c'est pas extrêmement difficile. Je crois que je me suis trompé néanmoins. Mais... Une autre question? Vous avez peut-être envie d'aller discuter là-bas, plus haut, derrière la table de livres. Ah, il y a quand même quelque chose que je voulais dire. Il y a une question? Oui, oui, on va vous donner. Oui. Ne m'étonne pas que madame ait une question. Oui, bonsoir. Il y a quelques découvertes mathématiques qui sont liées à des besoins. Je crois savoir que les fractions sont liées à des besoins de calcul d'héritage. Est-ce que... Mais par contre, il y a d'autres découvertes mathématiques qui ont été faites un peu en dehors de besoin et qui, après coup, s'avèrent utiles. Par exemple, les nombres premiers s'avèrent utiles à la cryptographie. Est-ce qu'on peut analyser ça d'un point de vue neurosciences?
C'est une magnifique question. Alors, moi, je ne suis pas du tout philosophe, mais j'essaye d'aborder cette question dans le dernier chapitre de La Bosse des Maintes, enfin, qui est devenu l'avant-dernier depuis que j'ai rajouté un chapitre récemment. La question, c'est effectivement l'extraordinaire efficacité des mathématiques, alors que parfois, elles ont été créées pour un usage complètement différent de celui qu'on leur donne aujourd'hui. Il y a de très nombreux exemples de cela, et c'est vraiment un phénomène mystérieux. C'est Einstein considérait que c'était le grand problème de la philosophie des mathématiques. Pourquoi est-ce que nos objets mentaux mathématiques s'appliquent à l'univers extérieur ? Alors, c'est une question très difficile, j'ai juste quelques pistes. Première piste, le cerveau a évolué. Donc, nos objets mentaux sont adéquats pour décrire le monde extérieur. Si ça n'était pas le cas, nous n'aurions pas survécu. Donc, tous ces objets mentaux d'espace, de nombre, de temps, ont été sélectionnés pour leur valeur représentationnelle vis-à-vis du monde extérieur. Deuxième élément de réflexion, les mathématiques elles-mêmes ont évolué. Donc cette fois-ci, c'est une évolution culturelle, mais elle est un petit peu de la même nature. Il y a plusieurs milliers d'années d'évolution des mathématiques qui les rendent de plus en plus efficaces. Alors, effectivement, ça n'est pas forcément efficace vis-à-vis du monde extérieur. Néanmoins, si vous regardez l'histoire des mathématiques, comme vous le dites, c'est presque toujours des problèmes concrets qui sont à l'origine des objets mathématiques. Après, les objets mathématiques décollent. Mais au départ, au moins, il y a souvent un problème physique ou un problème de comptage, un problème de mesure qui est posé. Ou tout simplement un jeu lié à une situation particulière du monde extérieur. Donc je pense que les objets mathématiques ont été sélectionnés pour leur efficacité avec une sorte de double sélection, culturelle et avant ça biologique. Et puis, évidemment, il y a des objets mathématiques qu'on appelle les mathématiques pures, qui sont générés simplement par jeu, par le cerveau humain. Mais même ceux-là, ensuite, on va parfois les sélectionner ensuite pour un autre usage. Et quand ils ne sont pas utiles, on dit que c'est des maths pures. Donc, quelque part, on gagne à tous les coups. Soit c'est des maths pures, soit c'est des maths qui sont utiles. Voyez. En fait, il semble que ce qui se passe, c'est qu'on génère un catalogue absolument extraordinaire de mathématiques. Il y a à peu près 100 000 papiers mathématiques, articles mathématiques qui sont publiés chaque année. Hein, c'est énorme. Hein. Et là-dedans, il y en a énormément qui est totalement inutile. Et puis, il se trouve qu'il y en a qui sont sélectionnés parce qu'on reconnaît qu'il y a une certaine utilité dans telle ou telle situation particulière. Bon. Vous voyez, tout ceci, j'échappe un petit peu à la question philosophique qui est vraiment difficile, qui est de savoir pourquoi dans l'univers il y a des structures qui sont descriptibles par le cerveau humain. Ça, je pense que personne d'entre nous ne le comprend réellement profondément. Il est clair que l'univers est organisé. Alors Galilée disait l'univers est écrit en langage mathématique. Bon, je trouve que c'est un peu abusif, personnellement. L'univers n'a pas attendu que le cerveau humain arrive avec son langage mathématique, d'ailleurs pas très efficace, hein, malgré tout, très laborieux, pour exister. Je pense que l'univers est descriptible par les mathématiques d'une façon approximative. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Beaucoup de physiciens oublient qu'ils sont en train d'utiliser un modèle mathématique pour décrire l'univers. Ils identifient le modèle avec la réalité. En réalité, nos mathématiques font ce qu'elles peuvent d'une façon qui reste encore approximative et imparfaite pour essayer de décrire l'univers extérieur. Parfois, ça colle remarquablement, et c'est vrai que ça, c'est assez mystérieux et pas complètement expliqué, mais ça ne colle jamais parfaitement. Les trajectoires des planètes ne sont pas des ellipses. C'est proche d'une ellipse, c'est formidable, le modèle newtonien, mais ça n'est pas un modèle, ça n'est pas la perfection, et donc je ne pense pas qu'on puisse dire que l'univers soit écrit en langage mathématique, mais je pense que nos mathématiques permettent d'essayer de lire l'univers, si vous voulez. Voilà, c'est comme ça que je décrirais le problème. En tout cas, moi, je vous invite à lire ce livre, que vous soyez bon en maths ou pas bon en maths, que vous ayez la bosse des maths ou que vous ne l'ayez pas. J'ai bien regardé votre crâne tout à l'heure et j'ai vu que, effectivement, si vous l'avez, hein, vous nous l'avez prouvé ce soir, mais ça ne se voit pas. Hein. Donc, on doit bien en avoir eu quelque part, tous. Non, le livre est vraiment passionnant. Très abordable, et ça c'est formidable. Vous dites quelque part, l'aventure scientifique est plus belle quand on comprend sa dynamique. Moi j'ai envie de vous dire merci de nous aider à comprendre justement la dynamique de cette aventure scientifique. Et puis pour finir, parce que moi j'ai toujours, je suis un peu plus plutôt une littéraire qu'une scientifique, vous citez dans votre livre une phrase de Raymond Queneau qui dit ceci: le poète, même le plus réfractaire aux mathématiques,
est bien obligé de compter jusqu'à 12 pour composer un alexandrin. Voilà, et je trouvais intéressant de citer cette phrase. Voilà, La bosse des maths, c'est un livre paru chez Odile Jacob. La bosse des maths, 15 ans après. Alors, c'est vrai que ma langue a fourché tout à l'heure. J'ai dit nouvelle édition, revue et corrigée. Ben voilà, dès que je pense mathématiques, moi, c'est comme une correction, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, nouvelle édition, revue et augmentée, bien sûr. Excusez-moi pour ce lapsus. Et puis, merci. Vraiment, merci. Nous avons été très heureux et très honorés que vous preniez, de nous donniez de votre temps pour venir ici à l'espace des sciences de Rennes. Merci. 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 Voilà, ça. Stanislas Dehaene va monter à l'étage au-dessus pour signer des livres pour ceux qui le souhaitent. Je voudrais quand même remercier toute notre équipe qui nous a accompagnés tout au long de ces mois, depuis le mois de septembre. Christophe et Fabien étaient à la régie, c'est la régie des Champs Libres. Vincent, Léo et Jackie pour l'équipe vidéo. Ma fidèle Julie, sans qui je ne serais rien, je le dis toujours. Et puis Émilie qui vous a passé le micro. Très bonne soirée à tous, merci de votre attention. Bonne vacances et à la rentrée. On a un très beau programme pour la rentrée, vous verrez. Et jeudi, n'oubliez pas jeudi.